Shalom, 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 shalom. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. L'Éternel vous bénisse et que sa faveur repose sur vos vies dans le nom puissant, dans le nom précieux, dans le nom glorieux, dans le nom merveilleux, dans le nom fantastique de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous localise là où vous êtes en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur repose sur vous. La grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à tous, shalom à toutes. Soyez les bienvenus à ce moment glorieux, à ce moment merveilleux, à ce moment puissant de ce direct prophétique par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas seul, je suis avec mon moment de gloire qui vous passe le shalom. Shalom, shalom. Connectez-vous à notre moment de séminaire. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Ce n'est pas une rediffusion. Nous sommes en plein direct. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et installez-vous très bien pour recevoir la parole du Seigneur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, demeurez bénis abondamment. Elisabeth Mehi, shalom, la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Jean Gabelou, shalom, la grâce du Seigneur repose sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Paul Ali, shalom, grâce et paix du Seigneur sur ta vie. L'Éternel bénisse tous ceux et toutes celles qui sont en train de se connecter présentement. La grâce de Dieu repose sur vos vies. L'Éternel vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous le temps de faire la prière d'introduction et nous revenons à vous. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions pour cet instant que tu nous donnes. Et nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu sois avec nous. Nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, que ta grâce soit manifestée. Nous prions, Seigneur, que ta puissance soit manifestée. Nous prions, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne soit, que ta gloire soit manifestée, que ta gloire soit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur, notre Père et notre Dieu, par ton esprit, par ta grâce, par ta puissance, Seigneur, notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, localise quelqu'un dans sa ville, localise quelqu'un dans son pays, localise quelqu'un dans son appartement, localise quelqu'un dans sa ville, Dieu, et bénis cette personne, Seigneur, dans le nom de Jésus, et que ta grâce, Papa, repose sur la vie de chaque personne, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, sois loué, sois béni, sois glorifié, bénis ce moment, bénis cet instant, Père, mon Dieu, et que ta grâce soit avec nous, louange, honneur et gloire à toi, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez les bienvenus à ce moment spécial, à ce moment glorieux, à ce moment béni. Nous avons commencé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ depuis quelques jours. La grâce du Seigneur soit avec toi. Chante Elkanah le béni. Demeure béni dans le nom de Jésus. La grâce du Seigneur repose sur toi. Amen, amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis les Amériques. Alléluia. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe. Shalom à tous ceux et à toutes celles qui Alléluia. Nous suivent dans le monde entier. La grâce de Dieu soit avec vous. Nous émettons depuis le Maroc, en Casablanca, bien-aimé Belvédère, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Je suis avec maman de gloire qui nous a passé le shalom tout à l'heure et qui pourra intervenir à n'importe quel moment lorsque le besoin se fera sentir par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Vous êtes à notre séminaire sur le centre. Wow, Jesus, great, Lord, go, skin te box. Les biotigao, skin te le revigi di biconto bo, shika la bayanta ka, sakin te puit. Riboko, shika bayanta ka, shaka talabika, on ten puit, on du skin te box. Une femme s'appelle Carole. Carole est ton prénom. Tu es en train de traverser présentement un moment à vide. Tu as un problème de santé. Tu es en train de traverser un moment à vide présentement. Ton prénom, c'est Carole. Si tu m'entends, si tu me suis, pose simplement sur ta tête, Carole. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que la main de l'Éternel soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi et te localise par l'onction et la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu repose sur ta vie, Carole. La main du Seigneur soit sur toi par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est connecté présentement. Le désir de ton cœur, c'est que nous puissions prier pour ton affaire de mariage. Ça te tient tellement à cœur. Pendant que tu es en train de mettre ce souhait, ce vœu dans ton cœur, je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel te soit favorable, que
sa grâce repose sur ta vie, que son esprit repose sur toi, que sa puissance repose sur toi et que sa main te touche et te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu repose sur ta vie par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, Jesus, pretty Holy Ghost, qui te prie dans les sept, les mocha catalabos, qui te les réveillés de bicotoboshi calabos. Quelqu'un a un problème urinaire au niveau de sa vessie, tu as des fuites d'urine au niveau de ta vessie, tu n'arrives plus à canaliser complètement ton urine, tu as des fuites d'urine au niveau de ta vessie et c'est quelque chose qui te perturbe et qui te fatigue. Pendant que je parle, pose ta main simplement sur ton bas ventre, je proclame la puissance de Dieu, je proclame l'onction de Dieu, la gloire de Dieu qui te guérit maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison, je détruis, je chasse ce mal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a quelques mois du déclenchement d'un problème d'insuffisance rénale, tu as quelques mois du déclenchement d'un problème d'insuffisance rénale. Pendant que je suis en train de parler, pose ta main simplement sur ton rein, je proclame, pendant que ta main est posée sur ton rein, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu qui te guérit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus, je proclame la puissance de l'Esprit qui te guérit. Quelqu'un est connecté présentement, tu as un mal au niveau de la tête, pendant que je suis en train de parler, tu entends de ressentir cette migraine, pendant que je suis en train de parler, tu entends de ressentir cette migraine, je proclame la puissance de Dieu sur ta vie, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de parler, pose la main sur la tête et reçois la guérison, dans le nom de Jésus, je détruis, je chasse mal, et je proclame la puissance de Dieu qui te guérit, je proclame l'onction de Dieu qui te guérit, je proclame la gloire de Dieu qui te guérit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la grâce de Dieu repose sur toi, la main du Seigneur repose sur ta vie par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Père et notre Dieu. Quelqu'un a des douleurs au niveau de l'oreille, au niveau de l'oreille droite. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille droite. Pendant que je suis en train de parler, pose ta main sur ton oreille au nom puissant de Jésus et reçois la guérison par l'onction et la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu repose sur ta vie. La main du Seigneur soit avec toi par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Quelqu'un ressent présentement un mal au niveau du bas de ton dos. Pendant que je suis en train de parler, pose ta main simplement au niveau du bas de ton dos dans le nom puissant de Jésus-Christ et reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la guérison par l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu repose sur ta vie, la main du Seigneur soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants, merci pour ta grâce dans la vie de tes serviteurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur soit sur toi, la grâce de Dieu repose sur ta vie par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Seigneur, touche quelqu'un, Seigneur notre Père, notre Roi, dans le nom de Jésus. Localise quelqu'un ce jour, touche quelqu'un ce jour, visite quelqu'un ce jour, dans le nom de Jésus, et que ta main, Seigneur mon Dieu, localise quelqu'un qui en a besoin. Je te rends grâce, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, je te remercie, Seigneur notre Père et notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Quelqu'un a des problèmes au niveau des yeux. Pendant que je suis en train de parler, tu as des problèmes au niveau des yeux, des douleurs et des problèmes au niveau des yeux. Pendant que je suis en train de parler, pose ta main simplement sur tes yeux et reçois la guérison dans le nom de Jésus. Amen. La main du Seigneur soit sur toi. La grâce de Dieu repose sur ta vie par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te localise et que sa grâce te soit manifestée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu Seigneur éternel Dieu de gloire. Une femme présentement est connectée avec un homme. Vous avez des problèmes au niveau du bas-ventre, des douleurs d'ailleurs au niveau du bas-ventre qui vous dérangent énormément. Pendant que je suis en train de parler, posez la main simplement au niveau du bas-ventre dans le nom de Jésus et recevez la guérison par la puissance de Dieu. Recevez amen, le rétablissement dans amen. Le nom de Jésus. Recevez la guérison Fire. Par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu repose sur vos vies. La main du Seigneur repose sur vous par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Béni sois-tu Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi. Merci pour ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Soit magnifié, soit exalté. Merci Seigneur notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu Père, que toute la gloire te revienne par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Que sa grâce soit avec vous, que la main de l'Éternel repose sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Elisabeth, je t'ai ramené le lien
Je ne sais pas comment tu t'arranges. Tu dis que tu as perdu le lien. Je te l'ai ramené, Elisabeth. Dieu te bénisse. La grâce du Seigneur soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce séminaire sur le Saint-Esprit afin de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir l'onction de Dieu, de recevoir la puissance de Dieu, de recevoir la visitation du Seigneur par le Saint-Esprit. Shalom et salutations à vous dans le nom de Jésus. Soyez connectés du début jusqu'à la fin afin de pouvoir bénéficier de cette grâce par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. L'Éternel vous bénisse. Nous allons partir avec les annonces après quoi nous allons pouvoir démarrer le direct dans le thème qui a été donné par la grâce de Dieu. Shalom à tous. Connectez, vous partagez la vidéo. La première annonce, bien aimé, on ne va pas la faire d'habitude. On la faisait la dernière annonce, mais on va la faire la première pendant que nous sommes connectés présentement par la grâce de Dieu. C'est l'annonce du 10 juillet. Le 10 juillet, nous avons un événement extraordinaire. Le 10 juillet, nous avons un événement exceptionnel, bien-aimé. Et ce 10 juillet-là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes tous et toutes invités au niveau du Maroc, en Casablanca, Lissasfa, pour tous ceux et toutes celles qui pourraient effectuer le déplacement. Ici, au niveau du Maroc, nous avons encore un concert en plus de la chanteuse Jodelle Clémence. Elle n'en finit pas de nous donner les concerts. Par la grâce de Dieu, et on se délecte de ces concerts. Le dernier concert qui a eu lieu il y a juste quelques mois était extraordinaire en son, en lumière, en danse, en tout, et c'était extraordinaire. Les personnes sont parties rassasiées, contentes, et plusieurs personnes, même lorsqu'on est parti, des personnes encore étaient derrière qui voulaient suivre le concert, mais on avait déjà fini. C'est pas grave, tous ceux qui n'ont pas suivi le concert dernier, on vous donne rendez-vous le dimanche 10 juillet 2022, 14h, Lissasfa, Casablanca, Maroc, pour un concert extraordinaire de la chanteuse Jodelle Clémence, la chanteuse panafricaine du gospel par la grâce du Seigneur qui se retrouve sur la terre marocaine pour l'instant. Pendant que le Seigneur la maintient avec nous au Maroc, nous allons profiter de cela avant qu'elle ne parte peut-être en Europe ou aux États-Unis. On va profiter de sa présence pour se délecter de tous ces merveilleux concerts qu'elle nous offre à la louange et la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc pour ces concerts, nous sommes tous et toutes appelés à participer, à soutenir ce concert. Chacun de nous doit prendre son ticket afin de soutenir ce merveilleux moment par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Les tickets, avant d'ouvrir, le téléphone, donne grâce, shalom, la grâce du Seigneur soit avec toi. Avant shalom, d'ouvrir shalom. Le téléphone, je veux profiter de cet instant par la grâce du Seigneur. Nous avons beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui. Kofi Franck Olivier, shalom, la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Et donc nous allons profiter en même temps pour vous annoncer les couleurs par la grâce de Dieu. Delphine Jeanrat, shalom aussi, la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc nous avons les tickets qui sont en vente, les tickets du concert de la chanteuse Jodelle Clémence qui sont en vente. Et 20€ les tickets standards, 50€ les tickets VIP, $20 les tickets standards, $50 les tickets VIP, 210 dirhams les tickets standards, 510 dirhams les tickets VIP, 12 000 francs CFA les tickets standards et 30 000 francs les CFA les tickets VIP. À chacun son ticket. Vous qui n'êtes pas au Maroc, participez quand même, donnez la promesse d'un ticket et vous pourrez payer même jusqu'au mois prochain. Vous pouvez payer après une semaine, après deux semaines, après trois semaines, après un mois. Vous pouvez payer, mais nous voulons maintenant vos promesses de tickets. Si vous pouvez prendre un ticket, deux tickets, trois tickets, bien aimé, et nous acheminer le moment venu votre participation pour les tickets, d'autres personnes pourront venir en votre nom et la bénédiction sera pour vous. Et donc, chacun de nous doit participer pour prendre son ticket, pour se mettre merveilleux concert de la chanteuse Jodelle Clémence dimanche 10 juillet 2022, Lissasfa, Casablanca, Maroc, un événement extraordinaire à ne pas rater, à ne pas manquer, alléluia, à ne pas se faire raconter, s'il vous plaît. Et même si vous êtes loin, bien aimé, participez en prenant un ticket, en participant avec un ou plusieurs tickets et d'autres personnes pourront venir en votre nom et la bénédiction sera votre partage. L'artiste même est sur le plateau de cette télé, cette Jodelle TV, et c'est direct prophétique avec nous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce qu'elle nous fait pour vous confirmer qu'elle sera bel et bien là. Ce ne sont pas des choses en l'air, mais c'est des choses. Vous savez, souvent quand il y a un concert, on invite l'artiste à la télévision pour que l'artiste même affiche sa présence. Et vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en train de faire un songe. L'artiste est bel et bien avec nous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Avant de vous passer un shalom pour réellement vous dire que c'est l'artiste qui est là avec nous par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je veux déjà bénir la vie de tous ceux-là même qui ont commencé à acheter les tickets depuis différents pays. Plusieurs sont en train de faire des envois Western, des envois RIA, des envois par Orange Money depuis les différents pays pour acheter les tickets. Et il y a certaines personnes qui se préparent dans le secret, qui veulent venir au Maroc sur place, qui ont déjà réservé leur billet d'avion, qui veulent venir adorer le Seigneur avec nous. Alors, préparez-vous pour ce moment merveilleux qui sera conduit par
Dieu lui-même, par le Saint-Esprit lui-même, car ce n'est pas un concert charnel, c'est un concert de l'Esprit. Et tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, à ce concert, vous êtes invités, tous ceux-là même qui prennent les tickets en ce moment et qui achètent les tickets, reçoivent la grâce aussi du Seigneur, parce que d'ici, depuis toutes les personnes qui ont commencé à prendre les tickets, certains ont commencé à rendre des témoignages et nous ne voulons seulement que bénir le Seigneur. Bien aimé, tous ceux qui sont au Maroc sont invités à ce concert. C'est précisément le 10 juillet, à partir de 14h à la salle Sultana de Casablanca. Je confirme que votre chanteur, Jodel Clémence, sera bel et bien là. Et nous allons adorer le Seigneur, nous allons danser, nous allons partager beaucoup de choses et chanter les chants prophétiques à la gloire de l'Éternel pour élever le Dieu très haut. Alors, Dieu bénisse tous ceux-là même qui ont commencé à prendre les tickets et qui continuent de prendre les tickets. Prenez vos tickets pour cet événement, car c'est un événement qui ne doit pas se faire raconter. Que Dieu nous bénisse et shalom chez vous. Shalom, shalom, shalom. Merci à la chantre, merci à l'artiste. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous attendons toujours les participations, les promesses de tickets des uns et des autres. Tous ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, nous attendons vos promesses de tickets. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous attendons vos promesses de tickets. Et que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Vous nous écrivez sur le WhatsApp ou bien sur le direct pour que nous puissions vous enregistrer comme des personnes qui ont promis prendre un ticket. Et puis quand vous serez prêts, d'ici une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, à la fin du mois, au début du mois prochain, vous pourrez apporter, je vais dire, votre promesse par rapport au ticket que vous avez pris. Vous n'avez qu'à nous écrire. D'accord, oui. Je veux vraiment que Dieu bénisse mes fans qui sont du côté de l'Italie, parce que plusieurs personnes ont décidé de prendre les tickets en Martinique, en France, en Italie, en Côte d'Ivoire, et plusieurs personnes continuent de se mobiliser. Pour ceux qui veulent savoir combien ça fait en CFA, ça fait 12 000 francs le ticket standard en CFA. En CFA, ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, tel que ma fan Fatou, qui a déjà payé ses tickets via Orange Money, parce que quand il y a des pays où les gens peuvent faire les dépôts en Orange Money, et son ticket, elle a acheté deux tickets qu'elle demande d'offrir ici au Maroc à des personnes qui n'ont pas, n'est-ce pas, les moyens de venir au concert. Alors, en son nom, deux personnes seront heureux au Maroc de recevoir la grâce du Seigneur. Au niveau de la France, je crois bien, papa, c'est en Belgique, mais En France, voilà, qui a aussi fait fort, qui a pris 5 tickets, que Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse puissamment l'Italie qui a fait fort, parce que l'Italie est revenue 3 fois. La première fois, l'Italie a pris des tickets VIP. La deuxième fois, l'Italie a pris encore des tickets VIP qui font 30 000 francs CFA, s'il vous plaît. Et la troisième fois encore, l'Italie est venue prendre des tickets VIP. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, l'appel est lancé en ce moment. Tous ceux qui veulent des tickets maintenant, vous pouvez prononcer comme le prophète l'a dit. Vous pouvez écrire, moi je veux un ticket, moi je veux deux tickets. Ou moi je veux venir au concert, ou moi je veux offrir mon ticket. Parce que c'est une affaire de l'esprit. Et tout ce qui est de l'esprit, il y a la bénédiction là-dedans. Alors, que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Dieu vous bénisse, la grâce du Seigneur soit avec vous, demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Juste avant d'ouvrir le direct, pendant que nous attendons vos promesses de tickets, je tiens à rappeler que plusieurs personnes, je vais dire, s'infiltrent dans nos directs pour entrer en contact avec d'autres personnes afin de les escroquer, afin de les abuser, afin de leur donner des révélations, des prophéties et leur demander de l'argent. On n'a envoyé personne vers vous, on n'a conduit personne vers vous, on n'a téléguidé personne vers vous, on n'a recommandé personne à vous. Nous sommes là sur le direct. Si vous avez un souci, vous nous écrivez, vous nous appelez directement, bien aimé. Et à quelqu'un qui s'est fait escroquer du côté du Sénégal, quelqu'un rentrait en contact avec elle, cette personne-là, et cette personne lui a dit qu'elle elle a suivi sur nos directs et que cette personne est rentrée en contact avec elle, lui a pris une très forte somme et les choses se sont très mal passées au point où cette personne commence maintenant à s'inquiéter de beaucoup de choses, vous comprenez, à s'inquiéter parce que ce qui lui avait été dit, ce qui lui avait été promis n'est plus ce qui est en train d'être fait, vous comprenez. Donc c'est quelqu'un qui a cru en quelque chose, mais qui n'a pas vu ce qu'on lui a dit se réaliser. Donc faites très attention, tous ceux et toutes celles qui vous approchent, bien aimés, fermez-leur le téléphone, rejetez-les, on n'a envoyé personne vers vous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus, amen. Maman de gloire, est-ce qu'on a oublié quelque chose, non? Non. D'accord, donc on peut y aller? On peut y aller. D'accord, aujourd'hui nous sommes à notre troisième jour, je crois, troisième jour de notre séminaire sur le Saint-Esprit, afin de vous apporter la parole de Dieu, afin de vous apporter la pensée de Dieu, afin de vous apporter la prière dans le cadre du
ce séminaire sur le Saint-Esprit, parce que ce dimanche, c'est le dimanche de la Pentecôte, et la Pentecôte marque l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. La Pentecôte, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit, mais l'effusion du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était déjà là depuis la création en... Genèse chapitre 1er, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était déjà là, vous comprenez? Et donc l'Esprit de Dieu, il était déjà sur la terre, mais il est venu, je l'ai descendu dans la chambre haute, sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, il s'est répandu. Donc on parle de l'effusion du Saint-Esprit, pas de la descente du Saint-Esprit, mais de l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute à la Pentecôte. Et donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de bien précis. Le jour 1, nous avons vu qui est le Saint-Esprit. Le jour 2, nous avons vu hier comment est-ce que Dieu parle à l'homme. Et aujourd'hui, le jour 3, par la grâce de Dieu, nous allons voir les grandes catégories de dons que Dieu nous accorde dans la Bible et selon sa parole. Vous en avez besoin dans votre foyer, vous en avez besoin dans votre travail, vous en avez besoin dans votre famille, vous en avez besoin dans votre vie, vous en avez besoin dans vos affaires, vous en avez besoin dans vos entreprises, vous en avez besoin dans votre vie de prière, dans votre vie chrétienne, dans votre vie de tous les jours, dans votre relation, dans votre communion avec Dieu, dans votre relation, dans votre communion avec les autres, votre entourage. Ayez vos cahiers, ayez vos bics, ayez vos crayons, ayez vos calepins, parce que nous allons partir par la grâce du Seigneur pour ce moment, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 12. Lise Alifon, Shalom. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. Quelqu'un peut nous l'écrire à l'écran. 1 Corinthiens chapitre 12. Tous ceux qui sont malades, qui sont souffrants présentement, qui sont en train de me suivre, portez la main pendant que nous sommes en train de chercher ce passage, posez la main où vous avez mal. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu vous localise. Si quelqu'un est malade, pendant que tu as posé la main là où tu as mal, je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce mal est consumé par le feu du Saint-Esprit, ôté de toi, chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ, et que tu retrouves la guérison, tu retrouves la santé, tu retrouves le rétablissement par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur repose sur ta vie, le Seigneur te rétablisse complètement et que sa grâce repose sur toi par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus, reçois la guérison par la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes partis par la grâce du Seigneur. Après, vous aurez l'occasion de poser votre question. 1 Corinthiens chapitre 12. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un souffre d'un mal de ventre. Tu es parti, tu pars aux toilettes, mais ça ne se passe pas bien. Le mal est toujours là. Tu as pensé qu'en partant aux toilettes, le mal allait s'arrêter. Mais pendant que je suis en train de parler, pose ta main sur ton bas ventre. Je proclame la puissance de Dieu qui te guérit dans le nom de Jésus. Je proclame l'onction de Dieu qui te guérit. Reçois ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset. Wow, Jesus, preach, Lordy Ghost, skin to push. Une femme s'appelle Christine. Christine est ton prénom. Pendant que je suis en train de parler, tu es dans des difficultés extraordinaires à deux niveaux. Les pocoches et même à trois niveaux. Ton prénom, c'est Christine. Tu as un problème de foyer, Christine 1. Tu as un problème de santé, Christine 2. Et tu as des problèmes matériels et financiers parce que ça ne va pas très fort chez toi, matériellement et financièrement parlant. Ton prénom, c'est Christine. Si tu m'entends, si tu me reçois, Christine, je vais ouvrir le téléphone spécial pour toi. Si tu m'entends, si tu me reçois, je veux parler avec toi et prier pour toi. 00 225 57 42 73 et 23. La grâce de Dieu repose sur ta vie. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Pendant que je suis en train de parler, vous voyez juste derrière moi l'affiche de moment de gloire du concert. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Je lis, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il veut. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce soit avec nous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, béni sois-tu, béni tous tes enfants qui nous suivent maintenant même, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partir sur ce qu'on appelle les grandes catégories des dons. Et si Dieu nous permet, demain, nous allons détailler les dons. Aujourd'hui, nous allons partir sur ce qu'on appelle les grandes catégories des dons. Et si Dieu nous accorde, demain, nous allons détailler les dons. Aujourd'hui, nous allons voir les grandes catégories des dons. Suivez très bien et nous sommes partis. Le verset premier dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Lorsqu'on parle de dons, on parle de quelque chose qu'on t'a donné. On parle d'une grâce, d'une faveur, c'est-à-dire d'un cadeau. Un don, c'est un cadeau. Donc le don, tu n'as rien fait pour le mériter, c'est un cadeau. Lorsque quelqu'un te fait un don, c'est un cadeau qu'il te fait. Tu n'as pas travaillé pour ça, tu n'as pas mérité ça. C'est une faveur, c'est un cadeau. Donc les dons que Dieu nous donne, c'est des cadeaux que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas parce qu'on est trop saint, on est trop fort. Ce n'est pas parce qu'on est trop pieux. On prie trop. Ce n'est pas parce qu'on est les premiers à venir à l'église que Dieu nous donne ça. Non, c'est des cadeaux que Dieu nous donne selon sa propre volonté, selon son bon vouloir, selon son propre désir, selon son dessein. Donc personne ne peut se glorifier par rapport à un don. Pour dire non, moi j'ai le don de la révélation. Moi j'ai le don des guérisons. Moi j'ai le don des miracles. Bien-aimé, tu n'as pas mérité ce don, tu n'as rien fait pour ce don et donc, ce don que Dieu t'a donné, c'est un cadeau que le Seigneur t'a fait. Tu n'as pas travaillé pour cela, tu ne mérites pas cela. Donc tu n'as nullement besoin de te glorifier par rapport à un don que tu as reçu, car c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Un don spirituel, parce que ce n'est pas quelque chose qui est matériel, ce n'est pas quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est spirituel. Donc on dit don spirituel. Il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, et donc il n'est pas bon que l'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu soient dans l'ignorance au niveau à propos des dons spirituels. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ici, Paul est en train de nous dire que l'homme est conduit selon ce qui le guide, selon ce qui le remplit, selon ce qui l'influence. L'homme est conduit selon l'Esprit qui habite en lui. Et lorsque tu es païen et que tu es habité ou bien tu es influencé par des esprits impurs, les esprits impurs là vont te conduire il veut dire au-delà de ta volonté. Ils vont te faire des choses même que tu ne veux pas ou bien que tu ne voudrais pas. Écoutez le verset 2. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Vous vous laissiez entraîner, vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une influence qui est sur le païen. Le prince de la puissance de l'heure, c'est celui qui agit présentement dans les fils de la rébellion, dans les fils de ce siècle. Donc, le prince de la puissance de l'air, c'est lui qui influence la mode. Lorsqu'on dit qu'il y a la mode dans le monde, aujourd'hui c'est criss-cross, c'est taille basse, c'est gros bas, etc. C'est le prince de la puissance de l'air qui influence le train de ce monde. Il y a un démon, il y a un esprit qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui influence les modes sur la terre.
terre. Donc les gens, ils rentrent chaque fois dans la mode. Aujourd'hui, on dit que c'est la mode, coiffure tectonique. C'est la mode, taille basse, criss-cross, gros bas, etc. C'est le prince de la puissance de l'air qui influence les différentes modes. Et les gens se laissent entraîner dans la mode. Ils ne peuvent pas faire autrement. Aujourd'hui, il y a des gens qui font les tatouages sur tout leur corps. On leur demande pourquoi ils font ça. Ils disent que c'est la mode. Parce que les gens se tatouent. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais comme c'est la mode et que plusieurs personnes font ça, ils vont se tatouer. Vous comprenez? On dit, bon, c'est la mode maintenant. On va porter les pantalons jean taille basse, criss-cross. On va laisser voir le petit caleçon qui est en bas et puis descendre le jean et puis marcher avec des jeans gros bas, etc., etc. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à marcher correctement. Mais comme c'est la mode, elles rentrent dedans pour porter ça comme c'est la mode. Elles se laissent entraîné par le prince de la puissance de l'air qui influence le train de ce monde. Vous comprenez? Donc celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, il ne peut jamais maudire Dieu, il ne peut jamais maudire Jésus, et il ne peut dire que Jésus est le Seigneur que s'il est habité et influencé par l'Esprit de Dieu. Pour dire autrement, que c'est ce qui t'habite qui t'influence. C'est ce qui t'habite qui t'influence. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout homme est influencé par ce qui rentre en lui. Vous comprenez? Tout homme est influencé. Quand vous êtes, par exemple, quand vous jeûnez en général, vous avez arrivé un moment où vous n'avez plus sommeil. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la nourriture alourdit. Cette nourriture, quand tu la prends, souvent tu assoupis. Tu assoupis pourquoi? Quand tu finis de manger un bon plat, par exemple, bien huilé, les temps qui arrivent, tu as l'impression d'avoir sommeil. Tu n'avais pas sommeil auparavant, mais c'est la nourriture en toi qui t'impose ce sommeil. Vous comprenez? Et c'est comme lorsque tu es en jeûne, arrivé un moment, tu as l'insomnie, tu n'arrives plus à dormir parce que la nourriture assoupit, mais le manque de nourriture tient éveillé. Vous comprenez? Donc, ce qui en toi change quelque chose en toi. C'est comme une femme, lorsqu'elle est normale, bien-aimée, elle a ses goûts, elle a ses envies, elle a son appétit, etc. Mais lorsqu'elle tombe enceinte, sa forme va changer, qu'elle le veuille ou non. Sa démarche va changer, qu'elle le veuille ou non. Ses goûts, ses appétits, ses désirs vont changer, qu'elle le veuille ou non. Ce n'est pas parce qu'elle veut que cela change, mais elle va changer obligatoirement parce qu'il y a un élément, il y a un nouvel élément qui est pris en compte dans son ventre. Le bébé qui est à l'intérieur d'elle va lui imposer un nouveau régime. Le bébé qui est à l'intérieur d'elle va lui imposer une nouvelle forme. Son ventre va devenir gros. Son dos va venir cambré. Elle va marcher difficilement. Elle aura deux fois même des œdèmes, etc. Ce n'est pas parce qu'elle veut que son ventre se gonfle. Ce n'est pas parce qu'elle veut que ses pieds se gonflent. Ce n'est pas parce qu'elle veut avoir la nausée. Ce n'est pas parce qu'elle veut avoir la salive dans sa bouche. Ce n'est pas parce qu'elle veut cracher tout le temps. Ce n'est pas parce qu'elle veut se sentir lourde, mais elle est obligée de rentrer dans cette disposition à cause de la présence du bébé dans son ventre. Donc, la présence du bébé dans son ventre lui impose un nouveau régime. Ainsi, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu vous donne un nouveau régime. Lorsque vous avez l'Esprit du monde en vous, l'Esprit du monde vous donne un autre régime. Quand vous étiez du monde, les dimanches, vous vouliez aller jouer au ballon. C'est maintenant que vous voulez aller à la plage, etc. Mais depuis que vous êtes chrétien et chrétienne, les dimanches maintenant, vous songez à aller adorer le Seigneur. Déjà même dès samedi, tu as déjà préparé ton habit, préparé ta Bible, préparé ton offrande, tu es déjà prêt pour le culte du dimanche matin. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi maintenant t'impose un régime nouveau. Ce n'est plus celui-là ou bien celle-là qui avait l'habitude d'aller rendre visite, de se balader, de dormir, d'aller jouer au ballon, d'aller à la plage les dimanches, mais c'est celui-là ou celle-là maintenant le dimanche qui a cœur d'aller adorer le Seigneur, qui a cœur d'aller louer le Seigneur, qui a cœur d'aller glorifier le Seigneur, qui a cœur d'aller dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Esprit du monde t'a quitté et l'Esprit de Dieu est venu t'habiter. Donc l'Esprit de Dieu va te conduire dans les choses de Dieu. C'est pourquoi il est dit en Jérémie 10, 23, Jérémie dit, je le sais ô Éternel, il n'appartient pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Comment est-ce que je peux vous le décrire? Romains chapitre 8, versets 14 et 16, il dit, tous ceux qui sont, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, vous savez que ce qu'on conduit en général, c'est la voiture. Et celui qui conduit, c'est le chauffeur. Donc la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux dont l'Esprit de Dieu a le contrôle, a le volant, tous ceux qui sont orientés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit conduit les fils de Dieu. Et si le Saint-Esprit conduit les fils de Dieu, une voiture ne peut pas se conduire elle-même. C'est lorsque le conducteur tourne à gauche que la voiture part à gauche, et lorsque le conducteur tourne à droite que la voiture part à droite. S'il fait une marche arrière, la voiture part en arrière, et s'il met sur la marche avant, la voiture part en avant. La voiture ne se dirige pas elle-même, mais c'est le conducteur qui dirige la voiture. Vous comprenez? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit te conduit quand tu es chrétien, le Saint-Esprit te conduit quand tu es païen, tu es conduit par le prince de la puissance de l'air qui influence le train de ce monde. Donc l'apôtre Paul dit au verset 2 que
Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Vous alliez chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les médiums, etc. Mais depuis que vous êtes chrétien, vous dites maintenant, béni soit le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui t'influence, qui te conduit, qui te guide et qui t'oriente en ce qui concerne les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc, le verset 4 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. À ce niveau, faites très attention, les versets 4, 5 et 6, parce qu'il y a une grande révélation que je vais vous faire sortir là-dedans. Et il y a quelque chose que je vais vous annoncer. Peut-être que vous saviez, peut-être que vous ne saviez pas, mais prêtez attention, s'il vous plaît. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Je vous l'ai dit, regardez le verset 4 dit, il y a diversité de dons. On parle de dons et on parle du même esprit. Autrement dit, la Bible dit que c'est l'esprit là, bien aimé, qui manifeste la diversité des dons. Première chose. Deuxième chose, verset 5, la Bible dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Autrement dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui manifeste et qui nous appelle au ministère. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Avec ces trois versets, bien-aimés, nous avons une idée de la nature de Dieu et nous avons une idée des grandes catégories de dons que Dieu dispose pour ses enfants et nous avons une idée de chaque donateur et de chaque personne qui manifeste ses dons. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible nous parle au verset 15 de l'Esprit. La Bible nous parle au verset 4 de l'Esprit. La Bible nous parle au verset 5 du Seigneur et la Bible nous parle au verset 6 de Dieu. Est-ce que ces trois personnes, est-ce que c'est la même personne? Je vous avais dit dans les enseignements précédents, je vais revenir encore là-dessus, bien-aimé. Plusieurs personnes se demandent, est-ce que Dieu est un? Est-ce qu'il est deux? Est-ce qu'il est trois? Est-ce qu'il y a une trinité? Est-ce qu'il y a une dualité? Ou bien il y a une unité, etc. Et les personnes demandent, est-ce qu'il y a un Dieu en trois? Il y a trois dieux en un? Il y a deux dieux en un? Et puis les gens sont confus, ils sont perturbés, bien-aimé. Je vais vous l'expliquer très simplement pour que vous puissiez le comprendre encore une fois de plus. Je vous ai dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous comprenez? Et c'est Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que lorsque vous regardez l'image, lorsque vous regardez l'homme à l'image de Dieu, vous ne pouvez pas connaître Dieu à 100%, mais vous pouvez avoir une idée, une image de Dieu. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, bien-aimé, lorsque vous regardez dans le miroir, vous avez un reflet de vous, une image de vous. Le miroir reflète votre nez, vos yeux, etc. Mais vous ne voyez pas votre cœur, vous ne voyez pas vos poumons, vous ne voyez pas vos os, vous ne voyez pas votre intestin. Mais le miroir reflète un aspect extérieur. Vous comprenez l'aspect extérieur, c'est-à-dire que ce qui est présenté, mais c'est ce qui est intérieur, le miroir ne peut pas le refléter. Et la Bible dit que l'homme a été créé en Genèse chapitre 2, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu regardes l'homme, tu ne peux pas connaître Dieu à 100%, mais tu peux avoir une idée, un aspect, une idée de Dieu. Vous comprenez? C'est comme lorsqu'on se regarde dans le miroir, on a une idée de nous, mais ce n'est pas nous à 100%, parce que le miroir reflète notre nez, nos bouches, nos nez, nos yeux, etc. Mais le miroir ne montre pas nos poumons, le miroir ne montre pas notre cœur, le miroir ne montre pas nos intestins, notre ventre, etc. Le miroir ne montre pas nos côtes, etc. Nos pancréas, nos intestins, le miroir ne montre pas tout ça. Le miroir montre l'aspect extérieur. Donc, au travers de notre reflet dans le miroir, on a une idée de nous, mais on ne peut pas nous voir, nous connaître à 100%. C'est pareil. Lorsqu'on regarde l'homme, on peut avoir une pensée, une idée de Dieu, mais à partir de l'homme, on ne peut pas connaître Dieu à 100%. Mais nous allons partir de cette idée qu'on a. On peut avoir de Dieu à partir de l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, en regardant l'homme, on peut avoir une idée de Dieu. En regardant l'homme, on peut avoir un aspect de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que l'homme a été créé comme un tripartite. Son esprit, son âme et son corps. L'homme a trois parties, vous comprenez? Et ces trois parties de l'homme, laissez-moi vous imaginer ça un peu. Si j'ai... Oulala, j'ai deux, trois. D'accord. Je vais prendre ces trois, vous comprenez? Je vais prendre ces trois objets. Un objet, deux objets, trois objets. J'ai trois objets, vous comprenez? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a son esprit qui est là, il y a son âme qui est là, il y a son corps qui est là. Lorsque je les associe, ça fait l'homme. Et là, c'est le corps. Je vais prendre ça comme ça. Le premier qui est devant, c'est le corps. Le corps qui est là, bien aimé, c'est lui qui est l'enveloppe, l'aspect extérieur. Mais en l'homme, il n'y a pas que le corps. Il y a son corps. Laisse-moi faire comme ça. Il y a son corps. Il y a son âme. Il y a son esprit. C'est les trois-là qui font l'homme. Son corps, son âme et son esprit. Si cet homme s'appelle par exemple Daniel,
Son esprit ne va pas s'appeler Daniel. Son âme ne va pas s'appeler Albert. Et puis son corps ne va pas s'appeler Richard. Non. Lorsqu'on dit Daniel, l'esprit là est concerné, c'est le même Daniel. Son âme est concernée, c'est le même Daniel. Son corps est concerné, c'est le même Daniel. Son corps n'a pas un nom à part. Son esprit n'a pas un nom à part. Et son âme n'a pas un nom à part. C'est la même personne. Vous comprenez, lorsque je les associe, c'est la même personne. Mais la même personne en trois parties ou bien en trois entités, si je puis m'exprimer ainsi. Donc lorsqu'on les dissocie comme ça, ça fait trois entités. Mais lorsqu'on fait comme ça, ça fait une seule personne qui est Daniel. Donc ce Daniel, il a son corps, il a son âme, il a son esprit. Et lorsque son esprit s'associe à son âme, et que son esprit et son âme sont rentrés dans le corps, et que les trois s'associent, ça fait la personne de Daniel. Il n'y a pas trois personnes, il y a une seule personne, mais cette personne même a son esprit, a son âme et a son corps. Et lorsque les trois s'associent, on voit une seule personne qui est Daniel, mais en Daniel, il y a trois composantes. Il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. Et lorsque le corps, l'esprit et l'âme s'associent et que l'esprit et l'âme sont dans le corps, bien aimé, il faille que ces trois personnes maintenant soient unies pour former Daniel. Ça, c'est l'homme. Donc, à partir de la composition de l'homme, étant donné que l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, à partir de la composante de l'homme, on peut avoir une idée de Dieu. Vous comprenez? Regardez les versets 4, 5 et 6. Le verset 4 parle de l'esprit. Le verset 5 parle du Seigneur. Et le verset 6 parle du Père. Je reprends. Le verset 4 dit l'esprit. Le verset 5 dit le Seigneur. Le verset 6 dit Dieu, en général le Père. Donc, voici que le verset 4, le verset 5 et le verset 6 parlent de l'esprit, du Seigneur et de Dieu. Apparemment, on a l'impression qu'on parle de trois personnes. L'Esprit, le Seigneur et le Père. On a l'impression qu'on parle de trois personnes. Mais dans la même composition de l'homme, on parle de son esprit, de son âme et de son corps. Mais son esprit, son âme et son corps ne sont que trois composantes de cette même personne. De cette seule et unique personne. Donc, en regardant la composition de l'homme, on peut avoir une pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu-là va nous dire que en Dieu, Dieu est une seule personne qui est Dieu. Mais en Dieu, il y a certainement trois composantes qu'on appelle l'Esprit, qu'on appelle le Seigneur et qu'on appelle le Père. Et ces trois composantes-là, bien-aimées, associées, forment ce qu'on appelle Dieu. Et lorsque l'Esprit, l'âme et le corps de l'homme sont associés, on l'appelle l'homme. Mais l'homme a trois composantes, son esprit, son âme et son corps. Et ces trois composantes associées font l'homme. Pareil, en Dieu, on peut avoir une pensée de Dieu en parlant de l'esprit, du Seigneur et puis du Père. Trois composantes, mais du même Dieu. Première chose. La deuxième chose, vous savez que chaque composante du corps, de l'être humain, a une spécificité. Ça veut dire que le corps a un rôle, l'âme a un rôle et l'esprit a un rôle. Le rôle du corps est différent du rôle de l'âme. Le rôle de l'âme est différent du rôle de l'esprit. Les trois composantes sont les composantes de la même personne, mais chaque composante a une fonction bien définie et bien déterminée. Et donc, le corps est la partie de notre être, bien-aimé, matériel, qui nous permet de rentrer en contact avec le monde physique. Notre âme est le domaine de notre volonté, notre personnalité, notre volonté, nos sentiments, nos émotions. Notre esprit est la partie immatérielle de nous qui nous donne de rentrer en contact avec Dieu ou bien le monde spirituel. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est spirituel, c'est au niveau de l'esprit. Tout ce qui est de la personnalité de l'homme, c'est au niveau de l'âme. Et tout ce qui est du contact avec le monde physique, c'est au niveau du corps. Donc, lorsque vous voulez rentrer en contact avec le monde physique, la nourriture, les voitures, etc., c'est avec votre corps. Lorsque vous voulez parler de la volonté, des sentiments, des émotions, c'est au niveau de l'âme. C'est pourquoi on dit mon âme est dans la joie, mon âme est dans la paix, ou bien mon âme est attristée, ou bien mon âme est dans la joie. Vous comprenez? Parce que c'est le domaine, c'est la partie de l'homme qui est responsable des sentiments, de la volonté et des émotions. Maintenant, les
l'esprit, c'est le côté de l'intelligence, c'est le côté immatériel de l'homme qui est en contact avec le monde spirituel. Donc, le corps a un rôle, l'esprit a un rôle et l'âme a un rôle. Et ces trois composantes-là associées forment l'homme. Mais en l'homme, il y a son esprit, il y a son âme, il y a son corps. L'esprit a son rôle, l'âme a son corps, l'esprit a son rôle, l'âme a son rôle et le corps a son rôle. Trois composantes du même homme, chacun a une fonction bien déterminée, mais les trois associés forment l'homme lui-même. Suivez-moi très bien. Ainsi, la Bible parle au verset 4 de l'Esprit qui donne les dons, au verset 5 du Seigneur qui manifeste les ministères, et au verset 6 du Père qui opère les dons qu'on appelle les dons d'opération. Donc ce ne sont pas trois personnes différentes, c'est la même personne qu'on appelle Dieu, en trois composantes, l'Esprit, le Fils et le Père. Associé, ça fait l'homme. Associé, ça fait Dieu. De la même façon que l'esprit a un rôle, le corps a un rôle et l'âme a un rôle, ici la Bible dit que c'est l'esprit qui manifeste les dons dans la vie de l'homme. C'est le, au verset 4, au verset 5, c'est le Seigneur qui appelle au ministère. Au verset 6, c'est le Père qui manifeste ce qu'on appelle les dons d'opération. Donc, en Dieu, chaque composante a une fonction bien définie. Mais c'est le même Dieu. Très simple à comprendre pour ceux qui veulent comprendre ou qui peuvent comprendre. C'est pourquoi Jésus-Christ, les Juifs n'ont pas compris pourquoi Jésus-Christ dit que je suis Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis sorti du Père. Regardez cette image par exemple. L'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que vous confessez avec moi? Vous êtes africain ou non africain, etc. Vous avez certainement entendu parler de ces choses-là. Même au village, les sorciers. Un sorcier peut être là comme ça. Il est couché. Son esprit, son âme et son corps sont là. La nuit, son esprit peut sortir, pas son âme. Parce que lorsque l'âme de quelqu'un le quitte, il est mort. Son esprit peut sortir, mais si son âme sort, il est mort. Il y a ce qu'on appelle dans le livre d'Ecclésiaste 12, le cordon d'argent qui se détache. Bon, on ne va pas y arriver. Mais lorsque ton âme est partie, tu es mort. Lorsque ton esprit part, tu n'es pas encore mort. L'esprit peut partir et revenir. Mais si l'âme part, tu es mort. Ça veut dire que ton corps physique est mort. Donc, ce qui tient ton corps physique là, vous comprenez, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que l'homme, Dieu a créé en Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre, il a fait l'homme, il a soufflé en lui son souffle et l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant ou bien une âme vivante. Vous comprenez? Donc, la vie, c'est-à-dire la personnalité, la partie centrale de l'homme, c'est son âme, ses sentiments, ses désirs, ses émotions. Lorsque ça part, il n'y a plus d'homme. C'est ça qui caractérise l'homme, ses sentiments, ses désirs, ses émotions. L'esprit, c'est Dieu qui l'a donné pour que l'homme soit capable de pouvoir évoluer dans le monde spirituel. Vous comprenez? C'est pourquoi Ecclésiaste dit, en Ecclésiaste 12, lorsque l'homme meurt, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc l'esprit peut sortir du corps. Mais lorsque ton âme est sortie, tu es mort. Mais ton esprit peut sortir et revenir. Donc, qu'est-ce qui fait le sorcier, ou bien le mystique, ou bien celui qui fait le voyage astral? Son esprit va quitter son corps. Son esprit va aller opérer. Et lorsque l'esprit a fini d'opérer, il vient rejoindre dans son corps et le matin, il se réveille. Lorsqu'il veut opérer encore, son esprit sort pour aller opérer. Et lorsqu'il a fini d'opérer, son esprit revient le matin et puis se lève, il va qu'à ses occupations. Pour dire que l'esprit peut sortir, aller opérer et revenir. Regardez ça. On va prendre ça comme ça. Voici le Seigneur Jésus. Il dit, je suis Dieu. C'est normal, puisque c'est une composante de Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit. Je suis Dieu, c'est normal. Parce que ton âme est toi-même. Si tu t'appelles Daniel, ton âme s'appelle Daniel, ton esprit s'appelle Daniel, et puis ton corps s'appelle Daniel. Ton corps ne va pas s'appeler Daniel. Ton âme va s'appeler Richard et puis ton esprit va s'appeler Albert. C'est impossible. Si tu t'appelles Daniel, c'est que ton corps s'appelle Daniel, ton esprit s'appelle Daniel et puis ton âme s'appelle Daniel. Donc si tu t'appelles Dieu, ton esprit s'appelle, l'esprit s'appelle Dieu, le Fils s'appelle Dieu et le Père s'appelle Dieu. Dieu. Donc le Fils qui est Jésus-Christ, il dit, je suis Dieu. C'est normal, il est une composante de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Je suis venu dans le monde, dans un corps physique, en chair. J'ai fini d'accomplir ma mission, je retourne au Père. Je suis Dieu, c'est normal. Je suis sorti de Dieu. Donc, lorsque je sors de Dieu, je deviens fils de Dieu.
Parce que celui qui sort de toi, c'est ton fils. Lorsque la fille sort du ventre de la mère, qu'elle accouche, c'est sa fille. Lorsque la femme sort de la coque de l'homme, c'est comme sa fille. Celui qui sort de toi, ou bien celle qui sort de toi, c'est la personne que tu enfantes ou bien que tu engendres, c'est ton enfant. Et donc Jésus-Christ dit, je suis sorti de Dieu. Donc lorsqu'il sort de Dieu, c'est comme une femme qui enfante un enfant, et l'enfant devient son fils ou sa fille. Donc Jésus-Christ sort de Dieu, en sortant de Dieu, donc c'est quelqu'un qui est sorti de Dieu, il devient fils de Dieu, il va se manifester dans la chair, il va s'incarner pour venir accomplir sa mission sur la terre. Il dit, je suis sorti de Dieu, mais je suis sorti de Dieu, mais je suis Dieu. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis venu sur la terre pour opérer, maintenant je retourne au Père, parce que le Père et moi, nous sommes un. La même personne et le même Dieu. Je suis Dieu, j'étais en Dieu, je suis sorti de Dieu, je suis venu opérer dans le monde, j'ai fini d'opérer, je retourne à Dieu. Le Père et moi, nous sommes un, je suis Dieu. Vous comprenez? Donc, dans la notion de fils, dans l'entendement humain, on a besoin de savoir qu'il y a un homme, il y a une femme, et puis les deux couchent ensemble, et puis un enfant sort. On n'a pas la conception spirituelle de ce qui sort de toi, ou bien ce qui se manifeste au travers de toi, c'est ton enfant. C'est pourquoi on peut parler, par exemple, de la créativité. Quand celui qui a créé un ordinateur, l'ordinateur, c'est son bébé. Vous comprenez? Celui qui a créé une machine à coudre, la machine à coudre, c'est son bébé, parce que c'est le produit de sa réflexion, de son intelligence. Donc, ce qui sort de toi, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton enfant, c'est ton bébé. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, il dit, je suis Dieu, c'est normal. Je suis sorti de Dieu, c'est normal. Je suis venu sur la terre et je retourne dans le sein du Père, car le Père et moi, nous sommes un, c'est normal. Vous comprenez? Donc chaque partie de Dieu, le Père, le Fils ou l'Esprit, comme ton esprit, ton âme ou ton corps, chaque partie de toi a un rôle bien déterminé que cette partie de toi joue. Ton esprit joue un rôle bien déterminé, ton âme joue un rôle bien déterminé et ton corps joue un rôle bien déterminé, mais ton esprit et ton âme et ton corps sont la même personne qui est toi-même quand tu as appelé Daniel. Donc ton esprit n'est pas différent de toi, ton âme n'est pas différent de toi, ton corps n'est pas différent de toi, ce ne sont que trois composantes de toi, mais c'est toi, Daniel. Et chacun a un rôle. Et donc la Bible nous dit, les versets 4, 5 et 6, que nous avons l'esprit, nous avons le Père, nous avons le Fils. Mais dans les manifestations de Dieu, lorsqu'on parle des dons spirituels, c'est l'esprit de Dieu qui donne les dons et qui les manifeste. Lorsqu'on parle du ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle au ministère et qui le manifeste. Lorsqu'on parle des dons, des opérations, c'est Dieu notre Père qui opère toutes choses et qui les manifeste. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur la vie de chaque personne. Nous pouvons y aller. Verset 4, 5 et 6. Le verset 4 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le verset 5 dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le verset 6 dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire que lorsque vous parlez, lorsque nous parlons des dons spirituels, nous parlons en général, bien-aimés, de la manifestation du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Lorsque nous parlons des ministères, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ qui appelle au ministère. Lorsque nous parlons des opérations, nous parlons de Dieu notre Père qui opère toutes choses en toutes. Et donc, dans la composante, dans les différentes composantes de Dieu, chaque composante a un rôle bien déterminé qu'il accomplit dans la vie du chrétien. De même, en nous, nous avons trois entités, nous avons trois composantes, notre esprit, notre âme, notre corps, et chaque composante a un rôle bien déterminé qu'il joue en nous ou au travers de nous. C'est pareil. Donc, la Bible dit que les dons spirituels sont manifestés, sont donnés et manifestés par l'esprit. Ce que je vais dire ici de prime abord, il y a plusieurs personnes qui disent, non, moi je n'ai pas tel don, je ne manifeste pas tel don, je veux avoir tel don. La première chose que je peux te dire pour te rassurer, c'est que comme c'est le Saint-Esprit qui a les dons et qui les manifeste, du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que l'Esprit de Dieu est en toi, tous les dons sont en toi de façon potentielle parce que celui qui a les dons et qui les manifeste est en toi. Je répète, comme c'est le Saint-Esprit qui a les dons, qui les donne et qui les manifeste, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je vous ai comparé ça la dernière fois au Covid. Il y a première dose, deuxième dose et troisième dose. C'est pareil dans l'esprit. Il y a première dose, deuxième dose, troisième dose. Qu'est-ce que je suis en train de dire?
La première dose de l'esprit que tu reçois, c'est cette dose-là de l'esprit que tu reçois lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est comme un verre qui reçoit un peu d'eau. L'eau qui est à l'intérieur, c'est l'esprit. Le verre, c'est toi. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, l'esprit de Dieu vient en toi dans une première dose. Et cette première dose-là de l'esprit te donne de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13 à 14, il dit, « Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais qui sont nés de Dieu qui est esprit. » Et donc, lorsque l'esprit, lorsque vous croyez en Jésus, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, la première dose de l'esprit qui vient en vous, c'est pour vous donner d'être enfant de Dieu, pour vous régénérer, pour vous donner la nature et l'identité de Dieu, pour vous donner de naître de nouveau, d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu sur le plan spirituel. Parce que cette ressemblance-là est spirituelle et non pas physique. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est la première dose. Et lorsque maintenant même, regardez bien, regardez le schéma du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu d'abord, l'Esprit de Dieu, il est venu par l'Esprit. L'Esprit est venu recouvrir Marie, première dose. Lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit qu'il a été rempli de l'Esprit, deuxième dose. Et lorsqu'il a été tenté par les diables, qu'il est ressorti vainqueur, la Bible dit qu'il a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Sa renommée s'est répandue en Galilée, troisième dose. Regardez, il est né d'abord de l'Esprit, première dose. Il a été, après son baptême, il a été rempli de l'Esprit, deuxième dose. Et après avoir vaincu Satan dans le désert, il a été revêtu de l'esprit, troisième dose. Donc la première dose, c'est pour ta nouvelle naissance. La deuxième dose, c'est pour te remplir. Et la troisième dose, c'est pour te revêtir. Le revêtement, bien aimé, c'est l'onction nécessaire pour exercer le ministère. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1er. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. L'esprit est sur moi. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. Vous comprenez? Donc l'onction pour le ministère, c'est la troisième dose, ce qu'on appelle le revêtement. La première dose, c'est pour que tu sois enfant de Dieu. La deuxième dose, c'est pour que tu manifestes la vie de Dieu. La troisième dose, c'est pour que tu manifestes ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Lorsque je parle de la vie de Dieu, je parle du caractère de Dieu. Et troisième dose, c'est pour que tu manifestes la puissance de Dieu. Donc, dans les trois doses de l'esprit, nous avons la première dose pour nous donner la nature de Dieu. La deuxième dose pour manifester le caractère de Dieu. Et la troisième dose pour manifester la puissance de Dieu. Je répète, de la même façon que le COVID, il y a première dose, deuxième dose, troisième dose dans l'esprit. La première dose de l'esprit de Dieu que tu reçois, c'est pour te faire enfant de Dieu. La deuxième dose que tu reçois, c'est pour que tu vives la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Et la troisième dose, bien-aimé, c'est pour que tu manifestes la puissance de Dieu. C'est en cela qu'on parle d'être rempli de l'Esprit pour marcher, pour vivre selon l'Esprit, d'être revêtu de l'Esprit pour manifester la puissance de Dieu. Donc, lorsqu'on est rempli de l'Esprit, bien-aimé, on part vers quelque chose qu'on appelle le fruit de l'Esprit. On va revenir dessus sur les temps prochains, le fruit de l'Esprit. Parce que ce qui rentre en toi, c'est une semence. Et cette semence-là doit grandir pour être un arbre qui va produire des fruits. Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est une semence. Cette semence-là doit grandir pour produire un arbre et l'arbre va produire des fruits. Et le fruit que l'Esprit de Dieu qui est en toi produit, on appelle ça le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5 verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. Vous comprenez, Galates chapitre 5 verset 22 parle du fruit de l'Esprit. Lorsqu'on parle de fruit, on parle de semence d'abord. Et lorsque la semence a été semée, elle sera entretenue, elle va grandir. Qu'elle va grandir, elle va donner des fleurs. Les fleurs vont devenir des fruits. Maintenant, les fruits maintenant pourront, je veux dire, manifester le caractère de l'arbre parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc on reconnaît un véritable enfant de Dieu à ses fruits et le fruit manifeste la maturité spirituelle. La première dose que tu reçois, c'est pour que tu sois enfant de Dieu, mais le fruit manifeste ta maturité spirituelle parce que tu dois grandir dans l'esprit. Bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, c'est juste pour donner une parenthèse parce que tu dois grandir dans l'esprit par la grâce de Dieu. Donc, nous revenons pour dire que c'est l'Esprit de Dieu qui manifeste les dons. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle au ministère et les opérations sont manifestées par Dieu le Père. Ce qui signifie que nous avons trois grandes catégories de dons. Nous avons la première catégorie de dons qu'on appelle les dons spirituels. Nous avons la deuxième catégorie de dons qu'on appelle les dons de ministère. Et nous avons la troisième catégorie de dons qu'on appelle les dons d'opération. C'est différent. Je répète. Selon le verset 4, nous avons la première catégorie de dons qu'on appelle les dons spirituels manifestés par le Saint-Esprit. Nous avons la deuxième catégorie de dons qu'on appelle les dons de ministère manifestés par le Seigneur Jésus. Et nous avons la troisième catégorie de dons qu'on appelle les dons d'opération manifestés par Dieu notre Père. C'est les trois grandes catégories de dons et dans ces dons-là, il y a des sous-groupes de dons. Mais on va parler aujourd'hui des grandes catégories de dons, bien aimé. On va commencer par le premier qui on appelle les dons spirituels. Les dons spirituels, bien aimé, sont les dons accordés par l'Esprit de Dieu en vue du ministère. Vous comprenez? Parce que lorsque Dieu t'accorde quelque chose, c'est pour quelque chose. Dieu, il ne se promène jamais. Hein. C'est Satan que Dieu lui a demandé. Satan, tu viens d'où? Il dit, je viens de parcourir la
terre demi-promenée. Dieu lui se promène pas. Hein. Quand il vient quelque part, c'est qu'il vient accomplir un but. Lui se promène pas comme Satan. Satan, lui, il vient de parcourir mais à la terre demi-promenée. Dieu ne se promène pas. Quand il te donne quelque chose, c'est pour un objectif, c'est pour un but. C'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné des dons spirituels, des talents, bien aimés, et qui ne font pas, qui ne travaillent pas avec ces dons, qui ne travaillent pas avec ces talents, qui ne font pas valoir ces dons et ces talents, bien aimés, ils sont en danger. Ils rendront compte à Dieu de ce que c'est comme la parabole des talents. La parabole des talents, bien aimé, le maître a donné un talent, deux talents, cinq talents. Celui qui avait un talent a enterré son talent. Mais lorsque le maître est revenu, il dit « mauvais serviteur ». Il a jeté dehors et il a pris le seul talent qu'il avait pour donner aux autres. Car à celui qui en a, celui qui n'a pas du tout, on enlèvera même le peu qu'il a. Mais celui qui en a, on va ajouter encore. Vous comprenez? Donc, les dons que Dieu vous donne, c'est pour travailler. Les dons que Dieu vous donne, c'est pour le servir. Les dons que Dieu vous donne, c'est pour le glorifier. Les dons que Dieu vous donne, c'est pour exercer le ministère auquel Dieu vous a appelé. Chacun de nous est appelé à un ministère. Lorsque je parle de ministère, ministère veut du service, ministre veut du serviteur. Le ministère, c'est le service auquel tu as appelé dans la maison de Dieu ou bien le rôle que Dieu t'a donné de venir jouer sur terre. Car nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur est un chargé de mission. Il est envoyé en mission. On lui donne un ordre de mission et après, il vient rendre compte de sa mission. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre pour accomplir une mission et lorsque nous allons quitter la terre, nous allons rendre compte à Dieu de la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Qu'est-ce que nous avons fait? Quel est le produit, le résultat que nous présentons à Dieu après notre séjour sur la terre? C'est pourquoi lorsque Dieu te donne des dons, des talents, de la richesse, de la gloire, une position, bien aimé, tout ce que Dieu te donne, bien aimé, Dieu te demandera compte de l'utilisation que tu en as fait pour sa gloire. Parce que Dieu ne te donne pas un travail en vain. Dieu ne te donne pas une richesse en vain. Dieu ne te donne pas une position en vain. Dieu ne te donne pas un don en vain. Dieu ne te donne pas un ministère en vain. Dieu ne te donne pas même une femme en vain. Dieu ne te donne pas un mari en vain. Dieu ne te donne pas des enfants en vain. Ce que Dieu te donne, il y a la gloire de Dieu qui doit être manifestée dedans. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi, bien-aimé. Parce que tu vas rendre compte même de l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Si tu ne les as pas éduqués selon le Seigneur, qui sont devenus des brigands, des gangsters, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu ne les as pas enseignés la voie de Dieu, qui sont rentrés dans l'occultisme, tu vas rendre compte à Dieu. Les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. Dieu te les a prêtés, ils ne t'appartiennent pas. Parce que lorsque vous allez lire le livre de la Genèse, vous allez comprendre que Dieu a défendu de faire couler le sang parce que celui qui fait couler le sang, son sang aussi sera coulé par un homme. C'est pourquoi il a dit que si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé tel nombre de fois. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque le sang de l'homme ne peut pas être, ne doit pas être versé par quelqu'un d'autre, c'est Dieu seul qui peut donner la vie et qui peut reprendre la vie. Lorsque quelqu'un essaie de reprendre la vie à son prochain, il aura affaire à Dieu. Vous comprenez? Donc ta vie même ne t'appartient pas. La vie de ton enfant ne lui appartient pas. Ton enfant même ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu parce que Dieu te l'a prêté. Dieu a permis qu'il passe par toi pour qu'au travers de toi, le Seigneur passe pour donner quelque chose à cet enfant-là. Une éducation spirituelle, qu'il devienne quelqu'un, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un dans la société par qui Dieu va passer pour glorifier son nom et que son règne va se répandre sur la terre des hommes. Donc ton mari ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Dieu te l'a prêté. Ta femme ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Dieu te l'a prêté. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Dieu te les a prêtés. Comment est-ce que tu prends ton mari? Tu vas rendre compte à Dieu. Comment est-ce que tu prends ta femme? Tu vas rendre compte à Dieu. Comment est-ce que tu prends tes enfants? Comment tu éduques tes enfants? Tu vas rendre compte à Dieu. Comment tu conduis ton église, ton ministère? Tu vas rendre compte à Dieu. Le travail que Dieu t'a donné, le salaire que tu as, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que Dieu t'a donné sur la terre? Tu vas rendre compte à Dieu. Dieu aurait pu bénir quelqu'un d'autre, mais Dieu t'a choisi pour te bénir. Dieu t'a choisi pour te donner un travail. Dieu t'a choisi pour te donner une entreprise. Dieu t'a élevé, il t'a positionné. Ça veut dire que Dieu attend de toi quelque chose dans la position où il t'a élevé. La position, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ce ne sont pas pour tes dents ni pour ton sourire. Non, cette position-là, Dieu attend quelque chose de toi. C'est pourquoi tout ce que Dieu te donne doit servir à quelque chose de bien précis dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons rendre compte de chaque chose que nous faisons, que Dieu nous a confié, que Dieu nous a prêté, pardon, et pour lesquelles nous devons rendre compte à Dieu. C'est pourquoi nous faisons très attention. Donc, au niveau des dons que Dieu nous donne, nous devons les utiliser pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi souvent, j'ai peur pour plusieurs personnes à qui Dieu met à cœur certaines choses de faire et qui ferment leur cœur. À qui Dieu donne certaines choses, bien aimé, à qui Dieu dispose une position. Peut-être que Dieu t'a élevé, tu es devenu directeur. Dans ta famille, c'est toi seul qui travaille. Peut-être que Dieu t'a permis que tu aies un grand ministère ou bien que tu aies telle chose, bien aimé. Ce ne sont pas pour tes beaux yeux et ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tout ce que Dieu te donne,
bien-aimé, doit servir à la gloire du Seigneur et tu en rendras compte un jour ou l'autre devant le Seigneur, bien-aimé. Donc nous disons que nous avons trois grandes catégories de dons. Nous avons ce qu'on appelle les dons spirituels manifestés par le Saint-Esprit. Nous avons ce qu'on appelle les dons de ministère manifestés par le Seigneur Jésus. Et nous avons ce qu'on appelle les dons d'opération manifestés par Dieu notre Père. Dans les dons spirituels, bien-aimés, nous allons rentrer dans les grandes catégories. Et puis, si Dieu nous accorde demain, nous allons rentrer dans les détails. Dans les dons spirituels, nous avons trois grandes catégories de dons qu'on a dans les dons spirituels. Il y a ce qu'on appelle, un, les dons de révélation. Deux, les dons oraux ou vocaux. Et trois, les dons de puissance. Il y a neuf dons décrits, neuf dons spirituels décrits dans 1 Corinthiens 12. Et dans les neuf dons spirituels, ils sont classés en trois grandes catégories de dons. Nous avons les dons de puissance, les dons oraux, vocaux et les dons de révélation. Et dans les dons de puissance, bien aimé, nous avons trois dons de puissance, trois dons de révélation et trois dons oraux ou vocaux. Ça fait 3, 3, 3 et ça fait 9 dons, bien aimé, qui sont classés en trois sous-catégories de dons. Et dans les dons de puissance, bien aimé, nous avons le don de foi, le don de miracle et le don des guérisons. C'est les dons de puissance. Pourquoi on les appelle dons de puissance? Parce que c'est des dons qui sont spectaculaires en matière de puissance, qui manifestent la puissance de Dieu. Un miracle manifeste la puissance de Dieu. Une guérison extraordinaire manifeste la puissance de Dieu, bien-aimé. Et la foi manifeste la puissance de Dieu. Donc, dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, nous avons le don de miracle et nous avons le don des guérisons. C'est les dons de puissance, bien-aimé. Et dans les dons de révélation, nous avons trois dons aussi dans les dons de révélation. Nous avons le don de la parole de connaissance. Nous avons le don des discernements des esprits. Et nous avons le don de la parole de sagesse. Nous avons les trois dons de révélation. Nous avons le don de la parole de sagesse. Nous avons le don de la parole de connaissance. Nous avons le don des discernements des esprits. Les trois dons. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, nous avons le don de miracle, nous avons les dons de guérison. Les trois dons de foi. Les trois dons de révélation, nous avons le don de discernement des esprits, nous avons le don de la parole de connaissance, nous avons le don de la parole de sagesse. Les trois dons maintenant oraux ou vocaux, c'est-à-dire qu'ils font intervenir la voix, nous avons le don de prophétie, nous avons le don de langue et le don d'interprétation de langue. C'est pas que, on les appelle aussi des fois les dons d'inspiration, les dons oraux ou vocaux, ou bien les dons d'inspiration, parce que lorsqu'on parle d'inspiration, on parle d'inspiration. C'est-à-dire que lorsque vous détaillez inspiration, vous allez voir in et puis spiration. Lorsqu'on parle d'inspiration, on parle de spirit. Lorsqu'on parle de spirit, on parle d'esprit. Donc lorsqu'on parle de in, on parle de l'intérieur. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu qui rentre en toi pour t'insouffler un souffle, et à partir de ce souffle, on appelle inspiration. Inspirer, tu avales l'air. Expirer, tu fais sortir l'air. Vous comprenez? Donc inspiration. Donc lorsque tu avales l'air, ça dit que c'est l'air, c'est le symbole de l'esprit. Le vent, c'est le symbole de l'esprit. Donc lorsque tu avales l'air, c'est l'esprit qui rentre en toi. On appelle ça une inspiration. Ça dit que l'esprit de Dieu qui vient en toi pour te donner, je vais dire, une pensée ou bien des une ouverture nouvelle, vous comprenez? Une pensée ou une ouverture nouvelle. Donc l'Esprit de Dieu rentre en toi pour te communiquer quelque chose dans le contact avec l'Esprit de Dieu. Et à partir de cela, tu es capable de pouvoir donner quelque chose. Le ainsi dit le Seigneur ou bien le ainsi parle le Seigneur, vous comprenez? Donc on les appelle les dons oraux ou vocaux ou bien d'inspiration. Donc dans les dons oraux ou vocaux, oral pour dire la voix, vocal pour dire la voix. Nous avons le don des langues, nous avons le don d'interprétation des langues et nous avons le don de prophétie. Ça, c'est les dons oraux ou vocaux ou d'inspiration. Nous avons la deuxième catégorie de dons qu'on appelle les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons le don de discernement des esprits, nous avons le don de la parole de connaissance et nous avons le don de la parole de sagesse. Et dans les dons de puissance, nous avons trois dons de puissance. Nous avons le don le don de foi, nous avons le don de miracle et le don de guérison. Donc, au niveau des dons spirituels, c'est les trois catégories de dons que nous avons. Et donc, l'apôtre Paul nous exhorte à aspirer aux dons spirituels et aux dons les meilleurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il peut y avoir des dons que le Seigneur t'a déjà donnés. Mais il peut se trouver aussi que toi, tu as besoin de certains dons pour travailler. Et donc, tu peux les demander dans la prière à Dieu qui pourra te les donner. Si méchant comme vous êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il l'esprit à ceux qui le lui demandent? Donc les dons spirituels, bien aimés, sont des cadeaux de Dieu. Mais il peut se trouver que tu puisses prier pour que Dieu t'accorde un certain don spirituel, peut-être par rapport à une situation. Tu es peut-être au village et puis peut-être que tu as le don de guérison. Mais tu es au village, tu as le don de guérison, mais il se trouve que les esprits là t'emmerdent un peu. Tu peux demander à Dieu soit le don du discernement des esprits pour voir clair qui est à côté de toi, qui est pour toi, qui n'est pas pour toi, qui est sorcier, qui n'est pas sorcier, qui a un bon esprit, qui n'a pas un bon esprit. Tu
tu peux demander spécialement à Dieu le don du discernement des esprits pour que tu puisses discerner dans le monde spirituel ce qui est de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, et ce qui vient de Dieu, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est produit par le Seigneur, ce qui n'est pas produit par le Seigneur. Le don du discernement des esprits, comme cela dit, ça te permet de pouvoir rentrer dans le discernement des esprits. Alors que la prochaine fois, on va rentrer dans les détails, mais le don de la parole de connaissance, comme la Bible dit, la parole de connaissance, c'est une parole que Dieu te donne pour que tu puisses prendre connaissance de quelque chose. C'est un fragment de la connaissance de Dieu que Dieu nous accorde pour connaître des choses que nous ne connaissions pas encore. Le don de la parole de sagesse, c'est un fragment de la sagesse de Dieu que Dieu nous donne pour que nous puissions nous comporter dans une situation qui a besoin de sagesse d'une façon exceptionnelle avec la sagesse de Dieu. Nous avons plusieurs exemples. Mais en cela même, il y a certains détails que je vais vous donner, même si je ne rentre pas dans les profonds détails. Au niveau de la foi, au niveau de la sagesse, nous avons trois différents types de foi et trois différents types de sagesse. Nous avons ce qu'on appelle la foi spirituelle, nous avons ce qu'on appelle la foi don et nous avons ce qu'on appelle la foi naturelle. Dans la sagesse aussi, nous avons ce qu'on appelle la sagesse spirituelle, nous avons ce qu'on appelle la sagesse naturelle et nous avons ce qu'on appelle la sagesse don. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais prendre par exemple le cas de la foi. La foi, vous comprenez la foi. La foi, nous avons la foi naturelle, nous avons la foi spirituelle, nous avons la foi don. La foi naturelle, c'est laquelle? C'est la foi que nous avons de façon naturelle, de façon naturelle. C'est-à-dire quoi? Je suis assis sur une chaise et puis je ne crains pas. Pourquoi? Parce que je suis sûr et confiant que la chaise ne va pas se casser parce qu'elle est plus solide que mon corps. Vous comprenez? Donc, c'est comme lorsque tu es en train de monter dans une voiture. La voiture est en train de rouler, tu ne t'inquiètes même pas pour voir si les pneus vont quitter, si la voiture va se décomposer, va tomber, si le volant va sauter, bien le toit sera... Tu es tranquille. C'est comme tu es dans l'avion et puis tu es en train de dormir. Vous comprenez? Alors que tu ne connais même pas le pilote. Tu ne sais même pas si c'est un enfant qui est en train de piloter, si jamais, mais il n'a même pas eu son brevet, etc. Et puis tu es en l'air là-bas, mais tu es confiant et puis tu es en train de dormir, etc. Tu te demandes même pas si l'avion va descendre, est-ce que la terre va attirer, etc. Vous savez, donc il y a des fois naturelles que nous avons. Tu envoies quelqu'un, un enfant au quartier, tu lui dis va m'acheter quelque chose, etc. Et tu attends le retour. Donc ce qu'on appelle la foi naturelle. Lorsque tu es là comme ça et que le ciel devient noir et qu'il y a le tonnerre, il y a les éclairs, etc., que le ciel devient noir de nuages, tu sais qu'il va pleuvoir. Et puis les minutes qui suivent, il pleut. C'est pas que tu es fort. Non, c'est normal. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Maintenant, la foi spirituelle, c'est quoi? La foi spirituelle vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi spirituelle, c'est la foi qui te vient de la parole de Dieu. C'est la foi pour être chrétien, c'est la foi pour croire en Dieu, c'est la foi pour croire en la promesse de Dieu, etc. La foi qui te vient de l'évangile, la foi qui te vient de la connaissance de la parole de Dieu, selon qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la foi vient de la parole de Dieu, ce qu'on appelle la foi spirituelle. Vous comprenez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la foi don, qui est différent de la foi naturelle et de la foi spirituelle. La foi don, c'est une foi que Dieu met dans ton cœur arrivé à un moment précis parce que Dieu veut accomplir quelque chose d'extraordinaire qui ne nécessite aucun doute, aucune incrédulité. Donc on appelle ça la foi, donc on appelle ça la foi de Dieu. C'est une foi, c'est la foi de Dieu que Dieu met dans ton cœur pour que tu ne doutes nullement. Plusieurs personnes ont manifesté cette foi donc, mais c'est une foi comme on appelle, c'est le don, comme c'est un don spirituel, c'est pas quelque chose qui se manifeste à chaque seconde. Ça vient pendant un certain moment pour accomplir une action. Lorsque l'action est terminée, ça part. Vous comprenez? Vous devenez l'homme naturel, l'homme normal. C'est comme quelqu'un qui est en train de prophétiser, il est sous l'onction et lorsqu'il a fini de prophétiser, il revient comme un individu normal. Vous comprenez, il parle, il mange ordinairement, mais lorsqu'il est sous l'onction, vous comprenez, il devient une autre personne qui est inspirée par le Seigneur et qui prononce des paroles fortes par l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, dans la foi don, bien-aimé, nous avons la foi naturelle, la foi spirituelle, la foi don. Dans la foi don, on appelle ça la foi de Dieu. La foi de Dieu, ou là, je suis en train de rentrer dans les détails, d'accord, je vais m'arrêter là. Après ça, la foi de Dieu, c'est la foi que Dieu te donne pour accomplir une action bien précise devant une situation qui n'a pas besoin de doute et d'incrédulité, nullement. C'est-à-dire que c'est la foi que Josué a manifestée lorsqu'il a dit « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». C'est la foi que Élie a manifestée lorsqu'il a dit au feu de descendre du ciel, par exemple. Vous comprenez? Donc, Élie n'a pas douté. Mais regardez ce qui se passe. Élie avait une foi naturelle en tant qu'homme. Ça, c'est un. Deuxièmement, il avait une foi spirituelle. Il croyait en Dieu. Troisièmement, ce jour-là, il a eu une foi, la foi de Dieu, le don de la foi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cru que le feu même pouvait descendre du ciel, le feu est descendu.
Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque le feu a fini de descendre du ciel, que Jézabel l'a menacé, que si toi, Élie, je te croise jusqu'à demain, et que ta tête encore sur ton cou, tu n'es pas égorgé, comme tu as égorgé les prophètes de Baal, c'est que ce n'est pas moi, Jézabel. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Élie a pris ses jambes à son cou, Élie a fui. Aïe! Le Élie qui était là et qui le feu est descendu du ciel, il était dans une foi, mais la foi de Dieu. Mais là, quand Jézabel l'a menacé, là, il n'avait plus la foi de Dieu. C'était la foi soit spirituelle de Élie ou bien la foi naturelle. En tout cas, Élie n'a pas eu la foi de Dieu là. Élie a fui, il est parti. Parce que la foi là était venue accomplie seulement pour que le feu descende du ciel. Lorsque le feu est descendu du ciel, c'est parti. Elle vient pour un moment pour accomplir une action bien précise. D'accord. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Aujourd'hui, c'est pour dire les grandes catégories. Donc, il y a ce qu'on appelle les dons spirituels. Donc, les dons spirituels qui sont manifestés par le Saint-Esprit dans trois grandes catégories de dons. Les dons de puissance, les dons oraux ou vocaux ou d'inspiration et les dons de révélation. Dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, nous avons le don de guérison et nous avons le don de miracle. Dans les dons de révélation, nous avons le don du discernement des esprits, nous avons le don de la parole de connaissance, nous avons le don de la parole de sagesse. Et dans les dons d'inspiration oraux ou vocaux, nous avons le don de prophétie, nous avons le don des langues, nous avons le don d'interprétation des langues. Si Dieu nous accorde, nous pourrons revenir sur les détails. Ça, c'est en ce qui concerne les dons spirituels manifestés par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5, 6 et 7. Gloire à Dieu. Ok. La deuxième grande catégorie des dons, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça, c'est les dons spirituels. Le verset 5 dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, pour dire quoi? Pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle au ministère. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle au ministère. Et cela, nous voyons ça en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4, 11. À partir du verset 11, Éphésiens 4, 11, la Bible dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour dire quoi? Pour dire qu'au niveau du ministère, bien-aimé, nous avons ce qu'on appelle les dons de ministère selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et le verset 5 de 1 Corinthiens 12 dit que les dons de ministère là sont manifestés par le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui appelle au ministère et c'est le Seigneur qui manifeste ses ministères. Donc lorsque quelqu'un est appelé au ministère comme l'apôtre Paul, c'est le Seigneur qui l'appelle au ministère. Lorsque quelqu'un est appelé au ministère comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme tous Barthélemy, etc., c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle au ministère et qui manifeste ses ministères en chacun de nous. Et ces ministères sont au nombre de 5, comme les 5 doigts de ma main. Et chaque doigt représente un ministère en fonction de sa grosseur, de sa taille et de sa position. Il manifeste un ministère et chaque doigt dans sa proximité avec l'autre manifeste une certaine juxtaposition de ministère ou bien une certaine affinité de ministère. Nous avons le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire. Nous avons les 5 doigts et les 5 doigts chacun manifeste un ministère. Le pouce manifeste le ministère de l'apôtre. L'index manifeste le ministère du docteur. Le majeur manifeste le ministère du pasteur. L'auriculaire manifeste le ministère de l'évangéliste et l'annulaire manifeste le ministère du prophète. Pourquoi et comment? Je vous explique sans trop rentrer dans les détails. C'est les 5 ministères que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte et que le Seigneur Jésus-Christ manifeste. Les 5 ministères. D'accord. Et chaque doigt représente un ministère bien précis. Chaque ministère est représenté par un doigt. L'apôtre, le pouce, l'index, le docteur, le majeur, le pasteur, l'auriculaire, l'évangéliste, l'annulaire, le prophète. Chaque doigt représente chaque ministère. Je vous explique. Dans l'église, nous devons normalement retrouver ces 5 ministères dans l'église. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que pour qu'une église soit complète, il faut au sein de cette église un apôtre, il faut au sein de cette église un docteur, il faut au sein de cette église un pasteur, il faut au sein de cette église un évangéliste, il faut au sein de cette église un prophète. Pour que l'église soit complète, pour le perfectionnement, pour parfaire les choses, pour que les choses soient parfaites. Le perfectionnement des saints, il faut que ces 5 ministères soient représentés. À défaut d'être représentés, le ministère qui a fondé l'œuvre
pourra demander la participation de d'autres hommes de Dieu qui ont certaines grâces afin de venir aider le troupeau et le peuple du Seigneur. Une église peut avoir comme responsable premier un pasteur. Une église peut avoir comme responsable premier un prophète. Une église peut avoir comme responsable premier un docteur. Une église peut avoir comme responsable premier un évangéliste. Une église peut avoir comme responsable premier un prophète. Mais quel que soit le premier responsable et son ministère, il doit faire bénéficier au troupeau du Seigneur les autres ministères afin que leur soit étanché et que leur fin soit assouvie. Afin qu'ils soient parfaits, afin qu'ils soient complets, afin que ce que tu n'as pas, ce qui te manque, leur soit donné par l'exercice d'autres ministères. C'est en cela qu'il y a plusieurs personnes qui font des séminaires ou bien qui invitent d'autres hommes de Dieu à venir bénir leur peuple dans l'exercice de leur ministère. Ce n'est pas mauvais. Il faut seulement avoir le discernement pour tomber sur les bonnes personnes qui vont venir faire de bonnes choses à la chair et dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup de brigands maintenant, il y a beaucoup de voyous maintenant, il y a beaucoup d'imposteurs et puis il y a beaucoup de magiciens. Il faut faire seulement très attention. Et ce n'est pas parce qu'il y a ce genre de personnes qu'il faut aussi se détourner de la foi. Parce que c'est une astuce de Satan et des démons. De créer des désordres, des buzz, des scandales dans l'œuvre de Dieu ou bien dans l'église pour décourager le maximum de personnes et les empêcher de partir à l'église, de suivre le Seigneur pour dire, ah, si même un docteur ou bien un pasteur ou bien un prophète ou bien un apôtre lui-même il est capable de faire ça, ou bien si dans une église telle personne est capable de faire ça, que ce n'est pas la peine, moi mais je ne vais plus à l'église. Et le diable est en train de décourager plusieurs personnes par plusieurs scandales qui sont suscités en vue de parpiller le peuple de Dieu, de décourager le maximum, de faire rétrograder plusieurs. Ce que je suis en train de te dire, tu n'es pas parti à l'église à cause d'un homme. Si vraiment l'église où tu es est de Dieu et que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, bien-aimé, ce n'est pas un homme qui va te décourager de partir ailleurs. Si elle n'est pas de Dieu, quitte. Si ce qui se fait à l'intérieur n'est pas de Dieu, quitte. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, quitte. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé et que l'église est de Dieu, bien-aimé, quels que soient les piquants qu'on va t'envoyer, reste à ton poste jusqu'à ce que Dieu te dise peut-être tu peux partir ailleurs. Reste à ton poste. Ce n'est pas un homme qui va te décourager, ce n'est pas un homme qui va te déstabiliser, ce n'est pas un homme qui va te démoraliser, ce n'est pas un homme qui va te faire rétrograder parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé au service de Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé à son service. Donc sois serein, ne te laisse ni influencer, ni perturber par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et donc les cinq doigts de la main sont comme les cinq ministères. Le ministère de l'apôtre, le ministère du docteur, le ministère du pasteur, le ministère de l'évangéliste et le ministère du prophète. Je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails en cela. Si Dieu nous accorde jusqu'à demain, on pourra rentrer dans les détails au fur et à mesure. Ça, c'est les cinq ministères. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle au ministère. Ça, c'est le ministère don. Ça veut dire que tu peux être prédicateur dans l'église. Tu peux être ancien diacre. Être diacre et être ambassadeur. Être ancien et puis être professeur, etc. Mais ces cinq ministères-là sont des ministères dont. Et dans ces ministères dont-là, bien-aimé, Dieu fait ce qu'il veut. Je vous dis, Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui sont appelées au ministère pleinement. Il y a plusieurs qui discutent, mais les choses sont réelles, les choses sont là. Je ne vais pas venir là-dessus d'abord. Pleinement parce que Dieu ne leur permet de rien faire à part l'œuvre du Seigneur. J'entendais des gens parler pour dire que un pasteur doit aller travailler. Sinon, c'est un paresseux, c'est un fainéant. Un pasteur qui ne travaille pas, il est ridicule. Parce qu'il doit travailler. Vous croyez que ce que votre pasteur fait là, ce n'est pas un travail? Prenez sa place 2 jours, je ne dis pas 3 jours. Prenez sa place 2 jours. Ce que vous faites au bureau là, mais ça sera petit. Prenez sa place 2 jours seulement. Il y a ce qu'on appelle le travail des hommes, il y a ce qu'on appelle le travail de Dieu. Lorsqu'un homme t'appelle dans sa société, qui t'a embauché, il te paye, et tu lui consacres ton temps, il te veut matin au bureau, il te veut le soir au bureau. Le matin de 7h jusqu'à midi, tu es au bureau. De 14h à 18h, tu es au bureau. Tu lui consacres ton temps.
Parce que c'est lui qui t'a employé, c'est lui qui t'a embauché et c'est lui qui te paye. Ça, c'est le travail de l'homme pour ceux qui travaillent pour l'homme. Lorsque Dieu appelle quelqu'un pour travailler pour lui, il consacre son temps pour celui qu'il a appelé, pour celui qu'il a embauché. Le matin, il travaille pour Dieu. À midi, il travaille pour Dieu. Le soir, il travaille pour Dieu. Et c'est Dieu qui l'a employé, qui l'a embauché, c'est Dieu qui le paye. Et Dieu le paye d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens à qui Dieu peut permettre d'avoir une activité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que, par exemple, un menuisier, un maçon, ne peut pas rentrer à l'ambassade, parmi les ambassadeurs comme ça. On va lui fermer la porte. On va dire, tu rentres à l'ambassade en tant que qui? Tu es un maçon, ta place n'est pas à l'ambassade, c'est pour les ambassadeurs. Mais les ambassadeurs qui sont à l'ambassade là, Dieu veut les gagner. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut te prendre toi pour faire de toi un ambassadeur. Pas pour tes beaux yeux, mais pour que tu puisses être introduit dans le milieu des ambassadeurs. Pour que, étant dans leur milieu là, tu les évangélises pour les gagner au Seigneur. Donc la fonction d'ambassadeur que Dieu t'a donné en fait, c'est un prétexte pour avoir accès aux ambassadeurs, pour leur prêcher l'évangile et pour les gagner à Christ. C'est un prétexte. Mais tout le monde ne peut pas être ambassadeur comme toi. C'est là où Dieu t'a placé. C'est un exemple. Maintenant, il y a des gens que Dieu veut pleinement. Pourquoi? Parce qu'il peut se trouver que Dieu a besoin de gagner une ville ou bien un village au Seigneur. Et qu'il est nécessaire de faire une croisade d'évangélisation peut-être sur 3 jours, sur 1 semaine. Toi, tu peux demander permission au travail. Chaque semaine, pendant 3 ou 4 jours pour t'absenter, sans qu'on ne te licencie, sans qu'on te renvoie. Tu ne peux pas. Même si tu es pasteur et que tu as une église et que même tu as un travail, peut-être que tu es professeur et que tu entends de donner ton cours de sciences physiques. Et le cours de sciences physiques, il est 10 heures. Et pendant que tu donnes le cours de sciences physiques à 10 heures, on t'appelle pour dire, pasteur, quelqu'un vient de tomber, il a 2 doigts de mourir, il est à l'hôpital. Tu vas dire à ton directeur, écoute, monsieur le fondateur, je n'ai pas le temps à perdre. Les élèves là, je m'en fous, je les laisse, je vais prier pour quelqu'un à l'hôpital, je reviens, il y a longtemps qu'on t'a renvoyé. Parce que Dieu met chacun à son poste. Il y a des choses dont Dieu a besoin, des personnes dont Dieu a besoin pleinement, dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans l'enseignement. Quand vous écoutez les enseignements que je suis en train de vous donner, ça vous plaît. Parce qu'il y a des révélations que vous entendez, il y a des choses que vous recevez. Vous croyez que je me suis réveillé un matin et puis c'est apparu dans mon esprit. Non. Il faut lire la Bible. Il faut méditer. Il faut prier. Il faut faire des recherches. Il faut se documenter. Il faut faire beaucoup de choses pour donner un enseignement qui va permettre, qui va nourrir l'âme des gens. Ce n'est pas un enseignement pour dire non, Bartimée, il était sur la route et puis il a dit à Jésus, eh, Jésus, je veux voir et puis il a vu. Point. Ça, quand tu as entendu ça là, ça t'a nourri spirituellement, tu as avancé en quoi? Non, le fou de Gadara, il était là et puis Jésus a prié pour lui et puis il a été guéri. Bon, c'est vrai. Toi, ça t'a avancé en quoi? Il faille que vous ayez la nourriture solide en tant que des personnes qui ne sont plus des enfants au lait, mais des personnes qui sont en train de grandir, des personnes matures. Et vous croyez que la nourriture solide, ça s'invente? Si je suis professeur dans un lycée, je suis en train d'enseigner, ou bien je suis ingénieur de TP, je suis sur la route, en train de faire les goudrons. Vous croyez que j'ai le temps de venir vous faire ça? J'ai le temps de prier pour vous, j'ai le temps de vous recevoir en réception, entretien, cure d'âme, délivrance. Vous écoutez chaque fois, quand vous racontez vos rêves, les problèmes que vous vivez, vous assistez, quand les gens sont malades, etc. Priez avec eux, venez donner des enseignements, consultation prophétique, direction, prière, exhortation. Vous croyez que moi, je peux avoir le temps de faire ça? C'est pourquoi il y a des gens que Dieu a mis à part. Et les gens que Dieu a mis à part, Dieu les veut pleinement pour son œuvre, pour son travail. Ceux-là, ils ne peuvent pas travailler comme vous, c'est impossible parce que Dieu ne leur permet pas. Je suis un exemple typique et palpable. Je suis un universitaire à qui Dieu a dit, arrête ici, c'est bon. Et qui suis venu servir le Seigneur. Et je me réjouis d'être serviteur de Dieu et j'en suis fier, bien-aimé. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'école qui donne la réussite, hein. C'est Dieu.
Il y a des gens qui sont partis à l'école, qui ont eu de gros diplômes, qui sont encore au chômage, qui dorment peut-être dans le salon de leurs parents, qui n'ont même pas de quoi s'acheter une chaussure. Il y a des gens qui sont là à l'école, qui ont commencé à travailler 2 mois après, ils ont été licenciés. Il y a des gens qui ont été accusés même dans leur travail, ils ont été mis en prison, le travail est gâté. La réussite dans la vie, ce n'est pas l'école. Hein. Il y a des gens, même le petit Djoula, tu es au CP1 avec lui jusqu'au CN1, CM2, tu ne le vois plus. Tu penses que son avenir est fini. Le temps, tu vas arriver en troisième là. Il a déjà 5 bacs à lui seul, 10 taxis. C'est à lui que tu vas venir demander crédit. Lui que tu as laissé au CM1, là, c'est à lui que tu vas venir demander crédit. Ce n'est pas l'école là qui fait ta richesse. L'école, c'est juste pour ton instruction. C'est l'instruction là que tu vas utiliser là pour chercher l'argent. Sinon, l'école ne donne pas l'argent et la richesse à quelqu'un. Jamais. C'est juste pour ton instruction. Afin de pouvoir avancer et aller de l'avant par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, dans le ministère, il y a des personnes que Dieu appelle pleinement. Il y a des personnes aussi à qui Dieu peut permettre de pouvoir faire certaines activités. Mais les activités que ces personnes sont en train de faire, en fait, c'est des prétextes. Parce que l'activité centrale, c'est l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. C'est ça ton activité centrale. L'activité que tu es en train de faire, c'est un prétexte. Jésus-Christ était charpentier à côté de Joseph. Vous croyez que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour la charpenterie? Non. La charpenterie, là, c'était pour un temps. Quand le temps de Dieu arrivait, il dit, écoutez, vous les charpentiers, vos scies, vos bois, vos marteaux, etc., prenez. Moi, je dois aller faire l'œuvre de mon Père. Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village, en train de prêcher l'évangile. C'est ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés. Et donc, lorsque Dieu t'appelle au ministère, il faut que tu connaisses ton appel et que tu comprennes ton appel. Si tu n'as pas connu ton appel, tu n'as pas compris ton appel, tu seras hors jeu. C'est pourquoi il y a plusieurs qui sont en train de tourner en rond parce qu'ils n'ont pas encore compris leur appel. Ils n'ont pas encore cerné leur appel. Ils ne savent pas exactement à quoi Dieu les appelle. Pourquoi Dieu les appelle? Est-ce qu'ils doivent aller à l'école ou pas? Est-ce qu'ils doivent continuer les cours ou pas? Est-ce qu'ils doivent s'arrêter pour se consacrer au Seigneur ou pas? Même quand tu te consacres au Seigneur, bien-aimé, le domaine dans lequel Dieu t'emploie, là, bien-aimé, vous pouvez prendre 3 docteurs, ils seront tous différents dans l'exercice de leur ministère. Vous pouvez prendre 3 prophètes, ils seront tous différents dans l'exercice de leur ministère. Vous pouvez prendre 3 évangélistes, ils seront tous différents dans l'exercice de leur ministère, parce qu'il y a quelque chose de particulier auquel Dieu appelle chaque personne. Tu es différent de celui qui est à côté de toi, même par ton empreinte digitale. Tu es différent de l'autre. Il y a quelque chose de précis que Dieu te donne qui est seulement pour toi et qui est seulement dans ton registre. Il faut comprendre ton appel, il faut connaître ton appel, il faut comprendre ton appel. Si tu n'as pas connu, tu n'as pas compris, tu es mal barré. C'est pourquoi lorsque Dieu a parlé à Jérémie, il a dit, lorsque Dieu t'appelle, il va te donner un ordre de mission. À tout ambassadeur, on donne un ordre de mission. Lorsque Dieu t'appelle, il va te donner un ordre de mission. Il a dit à Jérémie, je t'ai appelé pour abattre, pour ruiner, pour détruire, pour égorger, etc., etc., etc. C'est-à-dire, il lui a donné ce pourquoi je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour abattre, pour détruire, pour ruiner, pour planter, pour faire ceci. Tu iras parler au roi. Ne tremble pas devant eux. Parce que si tu trembles, moi-même, je vais te faire trembler. Je t'ai appelé pour ceci. Je t'ai appelé pour cela. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Jérémie avait un ordre de mission bien défini. Il savait pourquoi Dieu l'a envoyé. Quand Dieu a envoyé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait un ordre de mission bien défini. Il savait ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Jean-Baptiste avait un ordre de mission bien défini. Il dit, moi, ma mission là, ça s'arrête ici. Ma mission là, c'est devenu de dévancer le Messie. Ma mission, c'est d'annoncer le Messie. Ma mission, c'est de vous préparer au Messie. Maintenant que le Messie est là, il faille que lui grandisse, que moi je diminue. Il faille qu'il croisse que je diminue parce que je suis venu seulement lui préparer le chemin. Et donc, le chemin étant préparé, lui, il est venu. Moi, je n'ai plus d'utilité. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez bien regarder. On va dire que c'est parce que la fille d'Hérodiade a bien dansé qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais en fait, le ministère de Jean-Baptiste était fini. Le ministère de Jean-Baptiste était fini. Jean-Baptiste devait partir. La décapitation, c'est un prétexte pour son départ. Parce que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Le chemin, le Seigneur pour qui tu as préparé le chemin, il est là, il est venu. Toi, tu vas servir à quoi?
tu ne sers plus à rien, puisque celui pour qui tu es venu préparer le chemin, il est déjà venu. Quand il n'était pas venu, ton rôle était là. Tu étais encore important quand il n'était pas là. Tu devais l'annoncer, tu devais préparer sa venue, tu devais préparer son chemin. Maintenant, celui pour qui tu as préparé le chemin, il est venu, il est déjà là. Toi, maintenant, tu sers à quoi? Tu ne sers plus à rien. Parce que ta mission est finie. Donc, quand ta mission est finie, tu dois partir. On part comment? C'est par la mort. Donc, la décapitation, là, c'était le départ de Jean-Baptiste parce que là, sa mission là, était finie. La mission de Jean-Baptiste était finie. Le Messie qu'il a annoncé, le Messie est venu. Donc, lui, il n'a plus rien à faire. Tu as sur le terrain. Et puis, on dit, comment je vais dire, quel exemple je vais donner? C'est comme le dirigeant et puis le pasteur à l'église. Le dirigeant, il est là pour diriger. Et quand il a fini de diriger, il va annoncer le pasteur. Bon, toi, le dirigeant, tu as dirigé. Et puis, tu as annoncé le pasteur. Le pasteur est venu. Tu ne vas pas t'arrêter à lâcher avec le pasteur. Ton rôle est fini. Tu vas t'asseoir. C'est le retour du pasteur maintenant. Parce que tu es venu juste pour préparer le chemin du pasteur. Tu es venu préparer le chemin du prédicateur, dirigeant. Tu as dirigé jusqu'en... Tu as annoncé le pasteur. Le pasteur est venu. Maintenant, toi, tu fais quoi à la chair? Toi et puis le pasteur, vous allez vous arrêter à la chair. Tu fais quoi à la chair? Ton rôle est fini, dirigeant. Descends de la chair. Jean-Baptiste est venu annoncer le Seigneur. Le Seigneur qui l'a annoncé est venu. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Le Seigneur m'a dit que celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre, c'est lui que j'ai choisi. Jean-Baptiste l'a vu. Il a été baptisé. Il a été annoncé. Il va commencer son ministère. Jean-Baptiste, ton ministère est fini. Tu dois retourner à celui qui t'a envoyé. Donc, pour retourner là, tu dois mourir. Tu ne vas pas rester là dans une chaise et puis tu vas vieillir. Non, ton ministère pour lequel tu es venu sur la terre, c'est fini. Tu ne vas pas s'asseoir sur une chaise pour vieillir. Tu vas vieillir sur la terre pour faire quoi? Parce que tu es venu pour un rôle, bien aimé. C'est pourquoi chacun de nous est venu pour un rôle sur la terre. Lorsque ta mission est finie, tu retournes au Père. C'est pourquoi la mort d'un homme de Dieu, c'est un mystère. Un homme de Dieu qui est mort à 100 ans, à 2 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, c'est un mystère. Dieu peut t'envoyer pour un an de ministère. Dieu peut t'envoyer sur la terre pour 3 ans de ministère. Dieu peut t'envoyer sur la terre pour 4 ans, pour 5 ans ou bien pour 10 ans de ministère. Dieu peut t'envoyer pour 50 ans de ministère. Si Dieu t'a envoyé pour 3 ans de ministère, quand tes 3 ans ont fini là, il y a un incident bizarre qui risque d'arriver et puis on dit il est mort, il est parti. On dit, oh, mais il est vite mort. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort vite comme ça? Ah, peut-être que sa mission est finie, c'est Dieu seul qui sait, c'est un mystère. C'est Dieu seul qui connaît. Donc lorsque Dieu t'appelle au ministère, attache-toi à ton ministère. C'est très important. Si Dieu nous accorde demain, nous allons donner les détails sur les dons spirituels, les détails sur les dons d'opération et les détails sur les dons de ministère. Le ministère d'apôtre, le ministère de docteur, le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste et le ministère du prophète, les détails. Nous allons donner les détails sur ce qu'on appelle les dons spirituels, les dons de puissance, les dons de révélation et les dons oraux ou vocaux. Nous allons donner des détails là-dessus, ainsi que les dons d'opération, nous allons donner les détails là-dessus. Donc déjà, on a vu les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12. On vient de voir maintenant ce qu'on appelle les dons de ministère, Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est les dons de ministère, c'est les dons que Dieu fait à l'église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est les personnes dont Dieu prend la vie comme des dons pour les hommes. Ça dit que c'est des dieux donnés, c'est des cabris morts dans la main du Seigneur. C'est comme Étienne, bien-aimé, c'est comme Jean-Baptiste. Ça dit que Dieu peut te laisser mourir même dans un problème en martyr. Tu es un sacrifice pour Dieu. Tu as un don pour les hommes. Dieu te prend et puis t'enlève, il te met à part. Dans ta famille, il te l'enlève, il te met à part. Dans ta maison, il t'enlève, il te met à part. Au milieu de tes amis, il t'enlève, il te met à part. Au milieu de tes collègues, il t'enlève, il te met à part. Dieu te met à part pour quelque chose de particulier. Toi, tu as un don de Dieu, tu as un sacrifice de Dieu. Tu as une exception de Dieu, tu as un privilégié de Dieu. Tu as un sacré de Dieu. Dieu t'a mis à part pour un rôle bien défini. Les autres peuvent aller à l'école, à l'université, ils peuvent travailler, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais toi, Dieu, quand Dieu a besoin de toi, Dieu te retire. Tu as un don pour les hommes que Dieu a mis à part pour le servir dans quelque chose de bien précis. Et quand tu le fais, bien aimé, je veux dire ceci. Plusieurs s'inquiètent pour dire non, mais si, comment on peut servir Dieu? Il y a des gens même qui sont appelés pasteurs qui ne croient pas qu'on peut servir Dieu pleinement sans faire un travail des hommes. Ils ne croient pas en ça. Il y a un pasteur comme ça, on m'a dit, c'est un pasteur. Il fait des affaires, il fait beaucoup de business. Lui, il ne croit pas qu'on peut servir Dieu pleinement comme ça sans faire un travail des hommes pour lequel on te paye. Il ne croit pas en ça. Ah, bien aimé, c'est que Dieu ne vous a pas appelé pour certaines choses, mais dans certaines choses. Dieu, si un homme est capable de t'employer, de t'embaucher et de te payer, à plus forte raison, le Dieu très haut, s'il t'emploie, bien aimé, il est capable de te payer.
Et Dieu bénit, bien-aimé. Dieu bénit. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je ne travaille pour aucun homme. Je ne travaille pour aucune entreprise. Je ne travaille pour aucune société. Bien-aimé. Mais je ne demande mon pain à personne. Je ne mendie personne, bien-aimé. Je ne supplie personne pour payer mon loyer. Je ne supplie personne pour payer ma maison. Je ne supplie personne pour payer mon eau, mon courant. Je ne supplie personne pour me donner à manger ou bien pour me conduire en voiture. Je ne supplie personne. Dieu pourvoit. Je sais de quoi je suis en train de vous parler, n'est-ce pas? Dieu pourvoit. Il y a des gens qui regardent deux fois même, je ne veux même pas calculer ou bien regarder notre train, bien notre rythme de vie. Parce que les calculs que je vais faire là, ça va me donner le vertige. Dans ce qu'on dépense, dans ce qu'on paye, dans ce qui se passe, ça risque de me donner le vertige. Je préfère prendre ce que Dieu me donne et puis avancer, bien-aimé. Et puis progresser avec la grâce aussi. Les gens m'ont dit, non, vous, vous êtes bien, vous avez l'argent, vous avez des positions, vous avez l'église, vous avez l'œuvre de Dieu, etc. Vous croyez que quand Dieu vous appelle, quand vous êtes né, vous commencez grand, vous commencez tout petit, vous ne savez pas par quelle persécution, quelle souffrance, quel prix à payer avant d'être à un certain stade, à un certain niveau même. Vous ne savez même pas ce par quoi un homme de Dieu passe avant que Dieu commence à le bénir, à le lever, vous n'avez aucune idée. Jacob, il a travaillé 14 ans chez Laban. Il a travaillé 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, 14 ans. Et pendant ce temps, il était en train de surveiller les moutons, les brebis du monsieur avant de sortir avec sa richesse de là-bas. Vous ne savez pas comment il a sué avant d'être riche, comment il a transpiré. Dieu était avec lui. Dieu bénit dans son œuvre. Je vous dis, Dieu bénit dans son travail. Dieu peut te donner en un jour ce que quelqu'un même ne peut pas avoir en 10 ans. Je sais de quoi je suis en train de parler. Dieu peut te donner en 2 minutes ce que quelqu'un ne peut pas voir toute l'année. Je sais de quoi je suis en train de parler. Dieu, quand tu es fidèle dans son œuvre, quand tu es fidèle dans son travail, quand tu es fidèle dans sa mission, Dieu te bénit. Dieu te laisse jamais tomber. Dieu te bénit. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te bénir. Il va susciter quelque chose quelque part. Mais Dieu va susciter quelqu'un, quelque chose, quelque part. Mais Dieu ne va pas te laisser tomber parce que tu fais son travail. Et comme c'est lui qui t'a employé, qui t'a embauché, il te paye. Comme l'homme t'embauche, il t'emploie, il te paye. Quand Dieu t'embauche, il t'emploie, Dieu te paye. Dieu, il te paye. C'est le plus fidèle. Il est plus fidèle que les hommes. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce repose sur la vie des uns et des autres. Il y a des gens qui n'ont pas vécu de vie de la foi. Ou bien qui sont rentrés dans le ministère comme ça, ils n'ont pas écouté les appels. Là, il y en a 3 catégories. Hein. Jésus dit, il y a des eunuques qui le sont depuis le sein de leur mère. Il y en a qui le sont par eux-mêmes, il y en a qui le sont devenus par les hommes. C'est comme les hommes de Dieu, il y a 3 catégories. Il y a des hommes de Dieu qui le sont hommes de Dieu depuis le sein de leur mère, comme nous. Il y a des hommes de Dieu qui le sont devenus ainsi par eux-mêmes. Il y en a qui sont devenus ainsi par les hommes. Donc parmi les hommes de Dieu que vous voyez là, il y a 3 catégories. Hein. Il y en a que Dieu a choisi depuis le sein de l'homme, mais Dieu les a appelés depuis longtemps. Il y en a eux-mêmes, ils sont devenus eux-mêmes hommes de Dieu. Il y en a eux-mêmes là, les autres les ont fabriqués hommes de Dieu. Pour dire toi là, Dieu t'appelle à le servir, viens le servir, il faut aller à l'école pastorale. Oh, le monsieur lui-même, il n'a aucune révélation, il n'a aucune inspiration, il n'a reçu aucun appel. Mais on le prend, on l'envoie à l'école biblique, à l'école pastorale, bien au séminaire, et puis il sort pasteur, bien prêtre, et puis on le met dans une église, paf, c'est fini. Ça, c'est les hommes qui t'ont fait homme de Dieu. Il y en a eux-mêmes, ils se sont dit, bon, peut-être que c'est quelque chose qui peut me donner quelque chose. Donc voici moi-même, je vais voir comment je peux faire pour gagner quelque chose. Puis je vais créer une église, etc. Ils sont devenus ainsi par eux-mêmes. Mais il y a d'autres que Dieu a appelés depuis le sein de leur mère. Depuis le sein de leur mère. Lorsque je vais vous raconter mon témoignage un jour, vous allez voir que depuis que je suis petit, quand je réfléchis, Dieu a déjà programmé ces choses pour moi. Et je suis fier d'avoir obéi à Dieu en laissant l'université, en me consacrant à l'œuvre et à la parole de Dieu. Et je voyage dans plusieurs pays du monde pour annoncer l'évangile, pour faire des programmes. Je voyage dans plusieurs pays du monde pour prier pour plusieurs personnes. Et le ministère que nous faisons bénit plusieurs personnes. Présentement, nous sommes sur le directeur. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être bénies par ces enseignements bien-aimés. Si j'étais ingénieur de TP qui était en train de faire un goudron présentement, tu ne serais pas béni de la sorte. Il a fallu que Dieu mette quelqu'un à part, qui soit consacré à la chose de Dieu et que Dieu l'utilise pour te bénir. Gloire au Seigneur.
Ça, c'est les dons de ministère de 1 Corinthiens et Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Gloire à Dieu. La dernière catégorie de dons, c'est Romains, chapitre 12. La dernière catégorie de grands dons, Romains, chapitre 12. Si Dieu nous accorde, nous allons voir cela en détail demain. Si Dieu nous accorde, nous allons voir en détail les dons spirituels en détail, les dons de ministère en détail et les dons d'opération en détail. Demain, par la grâce du Seigneur, soyez connectés. La Bible dit en Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Romains chapitre 12, verset 6 à 9. Non, verset 6 à 8. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. La dernière catégorie de grands dons, Romains chapitre 12, verset 6 à 8. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Gloire à Dieu. Ça, on appelle ça les dons d'opération. Les dons d'opération qui sont manifestés par Dieu notre Père. Les dons de ministère qui sont manifestés par le Seigneur Jésus-Christ. Et les dons spirituels qui sont manifestés par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et donc ici, dans les dons d'opération, nous voyons des dons que plusieurs personnes ont, qui ne sont pas forcément diacres, pasteurs, ou bien anciens, ou bien évangélistes, ou bien prophètes, mais à qui Dieu a donné certaines capacités pour exercer dans l'Église. Lorsque le français parle de ministère, ministère, ça veut dire service, et ministre veut dire serviteur. Donc ton ministère, en fait, ce n'est pas forcément être pasteur, apôtre ou docteur, c'est le service auquel Dieu t'a appelé, c'est ça ton ministère. Et dans l'Église, tu peux être appelé en tant que chantre. Dans l'Église, tu peux être dirigeant. Dans l'Église, tu peux être décorateur. Dans l'Église, tu peux être hôtesse. Dans l'Église, tu peux être commando. Dans l'Église, tu peux être diacre. Dans l'Église, tu peux être chantre. Dans l'Église, tu peux être instrumentiste. Dans l'Église, tu peux faire beaucoup de choses. C'est le service auquel tu es attaché. C'est le service auquel Dieu t'a appelé. C'est le don, c'est la grâce, c'est la capacité, c'est le talent que Dieu t'a donné pour que tu puisses l'exercer dans sa maison ou bien pour sa gloire. On appelle ça les dons d'opération, les dons par lesquels Dieu opère en toi ou au travers de toi. Les dons d'opération manifestés par Dieu notre Père. Et dans ces dons d'opération, nous voyons par exemple ce qu'on appelle que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le don de la libéralité. Ça, c'est dans les dons d'opération. Ce n'est pas dans les dons de ministère d'Éphésiens 4, 11. Ce n'est pas dans les dons de spirituels de 1 Corinthiens 12. C'est dans les dons d'opération de Romains chapitre 12. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des gens qui ont le don d'opération qu'on appelle le don de la libéralité. C'est des personnes qui donnent de façon généreuse, de façon libérale, avec joie et de tout leur cœur. Elles n'ont pas besoin forcément d'être riches, mais elles aiment donner et elles donnent avec amour et avec leur cœur. Le don de la libéralité. Et il existe ce genre de personnes dans l'Église. Il existe ce genre de personnes dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, des gens qui ont la libéralité, la capacité, la facilité de donner. Il y a des gens qui sont pingres, qui sont avares, qui sont, je ne sais pas quel mot qualifier, c'est-à-dire eux là, pour donner quelque chose à quelqu'un, peut-être c'est funérailles, quelqu'un est mort, et puis participe, sinon pour bénir quelqu'un comme ça, c'est compliqué, c'est trop difficile. Et même si on dit dans l'église, on doit payer, peut-être mettre un climatiseur, on va dire non, parce que ça c'est trop cher, on peut peut-être payer un simple ventilateur, etc. Si on veut payer un ventilateur, on va dire non, mais c'est trop, on peut ouvrir les fenêtres, le vent va souffler, son argent ne peut pas sortir. C'est un pingre, c'est un avare. Au contraire de lui, il y a des personnes qui ont le don de libéralité, qui aiment donner et qui donnent avec leur cœur, avec joie, avec sincérité de cœur, le don de la libéralité. Il y a des personnes qui l'ont. On a le don de diriger ou de présider. Il y a des gens qui ont ce don-là, de diriger, de présider, qui peuvent diriger une cérémonie de mariage de façon majestueuse. Qui peuvent diriger un culte de façon magistrale,
qui peuvent diriger un groupe de louanges, un groupe de prières, un groupe d'intercession. C'est des personnes qui sont comme des personnes qui sont au devant de certains groupes pour les conduire, pour qu'on les suive. Des fois même dans vos quartiers, vous allez voir, il y a une femme au quartier qu'on appelle la vieille mère. Ou bien il y a un jeune au quartier qu'on appelle le vieux père. La vieille mère, toutes les jeunes filles au quartier sont derrière elle. Chaque fois, il y a réunion autour d'elle, il y a réunion chez elle, on dit c'est la vieille mère du quartier. Elle conduit toutes les jeunes filles. Il y a un jeune au quartier, on appelle le vieux père. Lui là, tous les jeunes sont autour de lui pour prendre conseil, pour parler, etc. C'est-à-dire c'est lui qui dirige. Il a l'art de les manipuler, de les mettre autour de lui, de les garder, de les envoyer, etc. Mais dans le cadre de l'œuvre de Dieu, il y a des personnes qui ont ce don-là de pouvoir diriger, orienter, conduire d'autres personnes. Ce n'est pas tout le monde qui est leader. Il y a des personnes qui sont appelées à être leader et il y a d'autres qui sont appelées à aider le leader. Tout le monde ne peut pas être leader en même temps. Il y a des gens qui ont ce leadership-là, cette capacité de pouvoir être des leaders, des dirigeants. Le don de présider. Et la Bible dit que celui qui a ce don-là, qu'il le fasse avec zèle. Il y a des gens qui ont plusieurs dons, qui doivent l'exercer, on dit selon l'analogie de la foi. Tu peux avoir un don pour chanter. Tu peux avoir un don pour composer la musique. Tu peux avoir un don pour jouer un instrument. Tu peux avoir un don pour arranger l'église. Tu peux avoir un don pour brancher les instruments. Tu peux avoir un don pour faire la décoration. Tu peux avoir un don pour manager les mariages, organiser les mariages. Tu peux avoir un don pour diriger les mariages, pour diriger le culte. Tu peux avoir un don pour mettre de l'ordre dans l'église. Tu peux avoir un don pour l'intercession. Tu peux avoir un don pour la libéralité. Tu peux avoir un don autre. C'est les dons d'opération par la grâce de Dieu. Et ces dons-là, bien aimés, plusieurs personnes les ont. Et chaque personne doit travailler en fonction de la grâce que Dieu lui donne. Alléluia. Chacun de nous doit opérer dans le domaine auquel Dieu l'a appelé. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Gloire au Seigneur. Et si Dieu nous accorde demain, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans les détails des différents dons. Les détails des dons spirituels, les détails des dons de ministère et les détails des dons d'opération par la grâce de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous avons fait la présentation des grands dons pour que vous puissiez connaître les grands dons, comprendre les grands dons et savoir ce que c'est par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Tous ceux qui auraient des questions, vous pouvez les poser maintenant afin que nous puissions répondre à vos questions avant d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies au nom puissant, au nom précieux, au nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse, sa grâce repose sur vos vies. Shalom, 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 shalom chez vous. Maintenant même, place aux questions pour tous ceux qui auraient des questions. Place aux questions pour tous ceux qui auraient des questions. 00 225 57 42 73 et 23, c'est le WhatsApp. Vous pouvez écrire votre question sur le direct, comme vous pouvez écrire votre question sur le WhatsApp, comme vous pouvez appeler pour poser vos questions. 00 225 57 42 73 et 23. 00 225 57 42 73 23. 00 225 57 42 73 23. Et pendant que vous posez vos questions, nous avons encore 50 tickets standards disponibles pour le concert de la chanteuse Jodel Clémence. À chacun son ticket, à chacun son ticket, à chacun son ticket, à chacun son ticket, à chacun son ticket. À chacun son ticket, à chacun son ticket, à chacun son ticket. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le téléphone est ouvert, le direct est ouvert, le WhatsApp est ouvert, afin que chacun de vous puisse apporter sa contribution pour prendre son ticket et puis que chacun puisse poser sa question par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc, nous avons plusieurs questions qui nous viennent maintenant. Toati, shalom, la grâce du Seigneur soit avec toi, demeure béni. Nous allons à la prochaine question. Papa, s'il vous plaît, je voulais savoir comment faire pour me spécialiser. D'accord, je crois que les questions sont en train de venir au fur et à mesure par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui, allô, allô.
Oui, shalom, shalom. Qui nous appelle de quel pays? Comment? J'entends pas bien. Vous pouvez bien parler? D'accord. D'accord. Est-ce que tu as mis un écouteur? Est-ce que tu peux parler directement dans le micro de ton téléphone? D'accord. D'accord. Allô? Oui, quelle est ta Oui, question? oui. Allô? Oui, alors je suis là. Quelle est ta question? Les réseaux sociaux, j'ai besoin de définir l'éternel. Alors, J'ai du mal à t'entendre correctement. Je ne sais pas si tu as un problème des réseaux ou quoi. J'ai du mal à t'entendre correctement. oui, je viens. Oui. Je vais comme ça. J'ai un problème là. Je m'en ai fait la prière. C'est tout cela comme je veux tout ça contenter pour les réseaux sociaux. J'ai eu votre numéro à tête. J'ai demandé. Est-ce que tu peux me... J'ai du mal vraiment à t'entendre correctement. Est-ce que tu peux laisser un message vocal? Parce qu'on a du mal à t'entendre. C'est un peu difficile. D'accord, ok, merci. D'accord, nous sommes partis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant même pour les différentes questions, bien-aimés, assurez-vous que vous avez une bonne connexion, qu'on peut parler tranquillement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, donc nous avons... un appel de la RDC. D'accord. Nous avons la question de qui? Nous avons la question de Émilie Ativo. Papa, s'il vous plaît, je voulais savoir comment faire pour me spécialiser dans mon don. Comment est-ce que tu dois faire pour te spécialiser dans ton don? Émilie Ativo, je crois que c'est depuis le Togo. Comment est-ce que tu dois faire pour te spécialiser dans ton don? En fait, normalement, chacun de nous doit exceller dans le don que Dieu lui donne. Et il faut travailler dans le don que Dieu te donne. Il est dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le don va s'affiner par deux choses, sinon trois. La première chose, c'est la connaissance que tu as dans le domaine du don que tu as. Il faut que tu aies la connaissance dans le domaine du don que tu as. Si tu as un don de prophétie, il faut savoir ce que c'est que la prophétie et comment est-ce que la prophétie fonctionne. Si tu as un don de parole de connaissance, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est que la parole de connaissance et comment la parole de connaissance fonctionne. Parce qu'il y a trois choses que tu dois faire. Ça, c'est connaître d'abord, connaître et comprendre le don que tu as. Deuxièmement, c'est dans l'exercice du don que tu as. L'exercice du don, c'est-à-dire que, comme on dit en biologie, un muscle qui ne travaille pas, il s'atrophie. Donc, il faille que tu travailles dans le don que tu as. Il faille que tu t'exerces dans le don que tu as. Ça ne doit pas être un don que tu as et tu dors avec. Un don que tu as que tu ne l'utilises pas. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie, lorsque la prophétie veut sortir par eux, ils calent. Il y a des gens qui ont des dons de guérison qui ne prient jamais pour un malade. Il y a des gens qui ont divers dons, mais qui n'exercent pas le don. À force de ne pas exercer le don, vous allez baisser en régime. C'est très important. Et la troisième chose maintenant, c'est ta consécration. Ta consécration devant le Seigneur. Ta consécration va te donner plus d'arguments. Ta consécration va te donner plus de force et de puissance. Donc la première chose pour t'affiner dans le don, c'est la connaissance dans le domaine du don que tu as. Il faut que tu connaisses et tu comprennes le don que tu as. Si tu as un don de prophétie, il faut que tu saches ce que c'est qu'un don de prophétie. Comment se manifeste un don de prophétie et comment on utilise ça? C'est la connaissance dans le domaine du don que tu as, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est l'exercice du don que tu as. Il faut t'exercer. En forgeant, on devient forgeron. Il faut t'exercer dans le don. Si c'est un don de langue, peut-être que tu as commencé à parler en langue avec un mot, il faut continuer. Ça a devenu deux mots. Il faut continuer. Ça a devenu trois mots, quatre mots, cinq mots. Ça a devenu une phrase, deux phrases, cinq phrases, 10 phrases. Et tu vas voir que tu vas devenir expert en cela. Si c'est maintenant la troisième chose, maintenant c'est ta consécration. C'est là que se fait la différence, la consécration. Parce que deux personnes peuvent avoir un même don,
Mais lorsque quelqu'un est beaucoup plus consacré, il sera beaucoup plus percutant dans son domaine qu'un autre qui ne se consacre pas assez. Parce que ta consécration te rapproche de Dieu, ta consécration te donne réellement la puissance de Dieu, ta consécration te donne réellement l'onction de Dieu, ta consécration fait grandir la présence de Dieu dans ta vie et tu deviens plus percutant dans ton domaine. C'est-à-dire que même si vous êtes des chasseurs de démons, il y a un démon qui peut résister à quelqu'un, mais quand toi tu arrives là, avec ton niveau de consécration, le démon ne peut pas rester là. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples que vous n'avez pas pu chasser ce démon parce que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc lorsque vous allez rentrer dans votre moment de consécration, vous allez augmenter votre consécration dans le jeûne et dans la prière, vous serez capable de chasser ce genre de démon. Donc Émilie Ativo, c'est les trois choses qu'il faut faire pour te spécialiser dans le don que Dieu t'a donné. La première chose, la maîtrise, c'est-à-dire dans la connaissance du don que tu as, l'exercice de ton don et ta consécration. Tu fais ces trois choses-là, tu vas voir que ce don-là va s'affiner, va se développer dans ta vie. Émilie Ativo. Nous avons une question encore de Émilie Ativo. Non, nous avons une autre question. Je ne crois pas. Nous avons une autre question. Non, d'accord. Nous avons Anna Toati. Merci, je reçois bénédiction sur vous, serviteurs de Dieu. Dieu te bénisse. Nous avons encore, ça c'était l'intervention d'Emilia Tivo. Je suis en train de regarder mon écran au fur et à mesure. Tous ceux qui interviennent, vous avez le temps de poser vos questions avant qu'on ne puisse boucler maintenant par la grâce de Dieu. 00 225 57 42 73 23 pour les messages ou les appels WhatsApp, ou bien vous écrivez votre commentaire en direct pour que nous puissions lire et suivre votre commentaire maintenant par la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. La grâce du Seigneur soit avec vous. Demeurez bénis. Nous attendons vos questions si vous en avez par la grâce du Seigneur pour que nous puissions évoluer dans ce que nous sommes en train de faire et que le Seigneur soit avec chacun, avec chacune, par sa grâce et par sa puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du Seigneur repose sur vos vies, le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment, 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 par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous retrouver demain, samedi, par la grâce du Seigneur, pour encore plus de détails par rapport aux dons, les dons spirituels, les dons de ministère et les dons d'opération, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous bénisse. En ce qui concerne le concert de la chambre Joseph Clémence, il y a encore 50 tickets standards disponibles. À chacun son ticket, à chacun son ticket. Le Seigneur soit avec vous. La grâce de Dieu repose sur vos vies. Demeurez bénis par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Émilie Ativo, ok, merci. J'ai deux types de dons, mais je veux me spécialiser dans un. Mais j'ai compris que Dieu vous bénisse. Quand tu as plusieurs dons, on ne se spécialise pas dans un don pour laisser l'autre. Il faut que tous les dons que tu as, tu puisses les exercer. Parce que dans la parabole des talents, il y a un à qui on a donné un talent, il y en a un autre à qui on a donné deux, il y en a un autre à qui on a donné cinq. Donc, celui qui a deux talents, il ne va pas dire, non, je vais me spécialiser dans un et puis je vais laisser l'autre. Celui qui en a cinq, il ne va pas dire, je vais me spécialiser dans deux et puis je vais laisser trois. Non, lorsque tu as des dons, tu te spécialises dans les dons que Dieu t'a donnés, tu te spécialises dans la grâce que Dieu t'a accordée, tu te spécialises dans ce que Dieu t'a donné, bien-aimé. C'est pourquoi je rencontre plusieurs personnes comme ça qui me regardent. Il y en a qui disent, lui là, ça doit être un évangéliste. D'autres disent, lui là, non, ça doit être peut-être un prophète. D'autres disent, non, lui là, ça doit être un enseignant, etc. Pourquoi? Parce que quand les gens me regardent, ils ne savent pas trop comment est-ce qu'ils vont me juger, ils vont me juger. Pourquoi? Parce que je suis en train d'apprendre à travailler sur beaucoup de choses que Dieu donne. En fait, il faille que vous soyez complet dans votre ministère, dans le don que Dieu vous donne, dans le ministère que Dieu vous donne, dans la grâce que Dieu vous donne, il faille que vous soyez complet là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ne laissez pas, ne favorisez pas un don au détriment de l'autre. Si Dieu vous a donné un don, c'est que c'est nécessaire. Si Dieu vous a donné deux dons, c'est que les deux sont nécessaires. Si Dieu vous a donné cinq dons, c'est que les cinq sont nécessaires. Et donc, il faille que vous travaillez tous les dons que Dieu vous a donnés, que vous ayez la connaissance dans chaque don que Dieu vous a donné, que vous exerciez tous les dons que Dieu vous a donnés et que vous consacriez pour que les dons-là se manifestent de façon puissante et percutante à chacun des niveaux de vos vies selon que Dieu a besoin de vous pour faire quelque chose de bien précis. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies, demeurez bénis, la grâce et la paix du Seigneur sur vous.
à chacun son ticket pour le concert de la chambre Joseph Clément. 50 tickets standards sont encore disponibles. À chacun son ticket, à chacun son ticket. La grâce de Dieu repose sur vos vies. Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Ok, merci papa, j'ai compris. J'ai deux dons, mais je veux... Ah d'accord, c'est la même question. D'accord, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du Seigneur repose sur vos vies à tous et à toutes. Demeurez bénis. Passez un excellent moment dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse ses enfants que vous êtes. Que l'Éternel bénisse ses serviteurs que vous êtes. Que l'Éternel bénisse ses servantes que vous êtes. Et que sa grâce inonde vos vies par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, shalom à toutes. Continuez de suivre les directs que nous faisons. Continuez de suivre ce séminaire et que le Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse et à très bientôt.